Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le talk sur Web Girondin, l'émission qui décortique l'actualité des Girondins avec soin et avec vous. Je suis content de vous retrouver. On est le lundi 15 avril 2024 et on va essayer de passer un bon moment ensemble, même si l'actualité n'est pas très réjouissante concernant notre club. Je vous présente l'équipe autour du micro avec monsieur Jonathan D'Agostino. Bonsoir et bienvenue, Joe. Salut, bonsoir à tous. Monsieur Gino Forte, bonsoir et bienvenue Gino. Salut Nico, salut les copains et bonjour à tout le monde. Maillot, quelle année ce maillot? Ah, 2001-2002. Propre. Ouais. Propre. Eh ben, sympa. Quelque chose dans le dos? Pas au rien. Paoletta. Oui. Petit buteur. Première année de Paoletta, bien sûr. Ben, c'est des bons souvenirs, on va dire. Et Thomas, le modo du chat. Salut Thomas, bienvenue. Hey, salut les gars. Bonjour, bienvenue dans cette thérapie du lundi, comme dit Tony. Évidemment, un bon retrouvaille. Ah, ça devient bien habituel maintenant. C'est notre rendez-vous. Allez, vous êtes triste? Allez, venez ici. Salut Christian Alvarez qui est là. Salut Anthony, salut Vincent, salut Alice, salut Alexis, salut Patrick. Salut Jonathan, salut Polichinelle, Tony, Florence, Jérôme, Greg, Metal Tattoo, Didi, et Alain aussi, Ludovic, et Joël qui nous regarde. Joël, je crois, depuis, il nous l'avait dit, mais il nous regarde, il est très très loin, il a des milliers de kilomètres, Joël. Je crois qu'il est en Nouvelle-Calédonie. Salut Fred aussi qui est là, et Gérald, et John aussi qui est là. Allez, je vous informe quand même qu'on a passé des 13 000 abonnés. Et oui, on s'était dit... Bravo, merci à vous, bravo. Merci à tous ceux qui nous suivent, merci de nous suivre. Ça fait toujours plaisir, malgré l'actualité, de voir qu'il y a toujours le nombre d'abonnés qui grandit. C'est super sympa et ça donne envie de continuer à animer ces émissions. Et pour fêter ça, on va vous faire gagner, dans cette émission, 10 places pour assister au match Bordeaux-Dunkerque. C'est mardi, je crois. Mardi de la semaine prochaine. Voilà, 10 matchs, ça sera deux 23. Fois... Voilà, 23, ça sera deux fois, ça sera cinq fois deux places, voilà, je vais arriver. Voilà, par contre, attention, c'est que les sociaux qui pourront gagner ces places. Il faudra être sociaux et je vous dirai comment faire. Après, c'est une façon aussi de récompenser tous ceux qui soutiennent cette chaîne aussi. Mais si vous êtes abonnés, pas sociaux, c'est bien aussi. Mais vous pouvez devenir sociaux. Et puisqu'on a passé les 13 000 abonnés, j'ai remis le code de remise de moins 50% pendant 3 mois. L'abonnement, c'est 3,50 € sur Web Girondin pour profiter de tout ce qu'on propose. Contenu exclusif, masterclass, participation au rassemblement, page podcast qui permet aussi d'être là, soutien à médias indépendants et surtout suppression de la publicité sur le site à 95%. Il n'y a pas de publicité pour vous gêner lorsque vous lisez l'actualité. Donc, le code, c'est dans la description de la chaîne sur YouTube, c'est Socio 2024 sur l'offre abonnement scapulaire. Voilà pour les bonnes nouvelles. On est diffusé aussi sur Twitch et sur Facebook. Je remercie aussi tous ceux qui nous suivent sur ces réseaux. Je le laisse quand même, la multidiffusion sur les réseaux, parce que sur Facebook, il y a quand même un petit peu de monde. Et puis, ça vous donne peut-être aussi envie de vous abonner à YouTube. Et sur Twitch, même. Alors, sur Twitch, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. T'es sur Twitch, Tom. Mais ouais. Il y a toujours les classiques. Ravageur, Metal Tattoo, Claude Pest qui est là. Ils vont pas arriver, oui. T'inquiète pas, ils vont arriver. Nous dit cadeau empoisonné, les places pour Bordeaux-Dunkerque. Oui, je comprends. Nombreux m'ont fait la réflexion. Mais il faut quand même aller encourager l'équipe. Et oui. Bah, c'est un bon moment, ça sera peut-être un bon moment. C'est un match qu'il faudra gagner. Et ce sera un beau carnaval avec Dunkerque en plus, ce serait bien. Oui, voilà. Jeu de mots. Mais en tout cas, ça. 3,50 € par mois. Voilà. Oui. Oui, c'est un abonnement avec tous ses avantages. Ça sera un match à gagner, Dunkerque, parce que, à moins qu'on gagne à Saint-Étienne, ça risque pas, d'être capital, oui. Dunkerque, ça sera capital pour le maintien. Et on sait qu'en plus, les équipes qui sont classées derrière nous ne réussissent pas forcément ces derniers temps. Donc, ça sera intéressant de voir... le comportement de l'équipe. En tout cas, c'est tout à l'heure. Et Samuel Vasselin qui nous rejoint. Voilà. Alors, il est là. Il est magnifique. Je le vois en backstage. Il est. Regardez comme il est beau. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, messieurs. La journée a été bonne. Un lundi. Un lundi. Pas très original dans la réponse, mais un lundi. Un lundi. Je vous montre. Vivement vendredi. D'accord, vivement samedi, non?
Un peu moins, parce que le samedi après-midi, puis après le samedi soir, c'est agréable. Voilà. Ah oui, on commence. Moi, je préfère presque les semaines que les week-ends, hein, franchement. Hein. Bon, bref, on en parlera après. En même temps, Gino, il s'est fait le hockey sur glace, défaite. Il s'est fait le match des féminines, défaite. Voilà. Le match girondin, défaite. Non, on est championne de France au volleyball. Ah, et on peut les saluer, d'ailleurs, les volleyeuses qui montent en élite. Oui, le palais des sports était plein avec 2500 personnes au palais des sports. Comme quoi, il y a des clubs en Gironde et à Bordeaux qui travaillent bien. Donc, on va avoir une équipe. Il faut aller chercher de plus en plus loin, dis-donc. Dans 3 mois, ce sera la classe de 5e B du lycée de Lormont à gagner à la récré contre les 4e. Il faut le dire. Ça, c'est un derby local, Samuel, ça compte pas. C'est vrai. La réussite, elle peut être là, quand même, à Bordeaux, quand on travaille bien. Allez, le sommaire de cette émission, on parlera première partie sur les féminines des Girondins de Bordeaux, reléguées en Division 2, on en parle aussi dans le talk, même s'il y a une émission spéciale sur les féminines sur Web Girondins, on en parle aussi dans le talk, c'est le premier point, les enseignements Bordeaux-Bastia. Troisième point, Bordeaux manque-t-il d'humilité? On reviendra sur les déclarations d'après-match notamment, et puis c'est peut-être une récurrence sur la saison. Vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, et vous, messieurs, autour du micro. Et enfin, Saint-Étienne-Bordeaux, adversaire et pronostic. C'est parti. On va avoir un invité qui sera là quelques minutes avec nous. C'est Thibaut de SCAP Girondine que je vais accueillir tout de suite, puisqu'on va parler des Girondines reléguées en Division 2. Bonsoir Thibaut et bienvenue. Salut à tous, salut les gars. Salut Thibaut. Bonsoir Thibaut. Salut Thibaut. Bon, c'était Gino était au match. Je te laisse réagir et après on écoutera Gino. Thibaut, si on t'avait dit il y a 3 ans que Bordeaux serait relégué en Division 2 aujourd'hui, est-ce que tu l'aurais cru au niveau des féminines? Bon, même des hommes, hein, on l'aurait pas cru. Hein. Non, même des hommes, on l'aurait pas cru. Ouais. Quoi qu'il y avait quand même quelques signes avant-coureurs. Après, pour les filles, non, parce que qualifié en Champions League, enfin en tour préliminaire, finir troisième du championnat, on était sur une phase, on va dire, très positive et ascendante. Et 3 ans plus tard, ben voilà, aujourd'hui on en est là. Donc, comme on l'avait déjà dit dans l'émission La Bordelaise et comme on l'avait déjà dit avec notamment avec Patrick, l'arrivée de Lopez, de toute façon, était déjà un très mauvais signal pour l'équipe. Et pour l'existence même de cette équipe féminine, compte tenu de ce qui a été fait par le même Gérard Lopez au LOSC. Donc on savait très bien que malgré les discours, et d'ailleurs Patrick a posté quelques déclarations et quelques verbatims de Gérard Lopez à son arrivée en 2021, malgré les discours optimistes, confiants, vous inquiétez pas les filles, on sera derrière vous. Force est de constater qu'en fait il n'a absolument pas tenu parole et pire que ça il a acté la c'est lui qui porte la responsabilité clairement de la relégation en D2. Gino, tu voulais apporter quelques chiffres je crois? Oui, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Après, on peut avoir des avis et être pour ou pas ou contre une politique, mais on parle d'une équipe qui est professionnelle et qui est au sein des Girondins de Bordeaux, et qu'on doit considérer comme tel, ce qui n'est tout sauf le cas. Bordeaux, cette année, en D1 féminine, c'est 12e sur 12, c'est une victoire, 4 nuls, 15 défaites. C'est 13 buts marqués, 47 buts encaissés. C'est une moyenne d'âge qui est la plus faible en France, qui est de 22 ans et demi. C'est une politique qui a été menée en dilapidant concrètement un effectif sur 2 ans, avec des départs de plus en plus nombreux, des joueuses dans la force de l'âge qui sont parties, et un club qui est en plus de ça, à l'image de ce qu'il montre, et n'est pas présent sur certains matchs. Alors ça, quand même, il faut interpeller, parce que je pense qu'en tant que supporter, on se doit d'avoir un regard sur ça. On avait un match qui était organisé par le club, le match de la parité, filles-garçons. Il n'y avait aucun membre de la direction présent. C'était samedi face à Fleury. C'était samedi face à Fleury. Dimanche face à Fleury. Mais tu as raison, Nico. Personne n'était là. Moi, je veux interpeller les gens, leur dire est-ce que ça, c'est admissible? Dans une équipe
qui passe une saison des plus difficiles. Et ce n'est pas la première fois qu'on le dit cette saison. Il y a des gens qui sont délégués à cette équipe féminine. Thomas Jacquemier, James Stevens. Ces gens-là, parfois en plus, vous les croisez dans Bordeaux, dans la rue, et ils vous disent « on se voit samedi ». On se voit samedi. On se voit dimanche, quand les filles jouent dimanche. Et ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas faire leur boulot. Ils ne viennent pas être auprès de leurs joueuses. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le remarque. Les familles des joueuses, les joueuses, le staff, les supporters qui sont encore présents, très nombreux, et je les salue franchement, parce qu'il y a beaucoup de monde encore au stade. Beaucoup de monde hier. Est-ce que ça, dans un club qui s'appelle les Girondins de Bordeaux, un club professionnel, c'est admissible? Nous, ce qu'on réussit cette saison, et même depuis le cycle de l'ère Lopez, parce que c'est un symbole cette équipe féminine pour moi, c'est un symbole du projet Gérard Lopez, c'est qu'on passe dans beaucoup de clubs, comme l'avait bien dit David justement, on professionnalise l'équipe féminine. Nous à Bordeaux, on réussit l'inverse, on va vers l'amateurisme, on va vers l'amateurisme dans cette section. Je ne sais pas si on se rend compte de ça et du fait que le club n'est même pas en capacité de prévoir ce qui va se passer les années suivantes, parce qu'il y aura sûrement des difficultés qui vont arriver aussi. Thibaut, tu veux réagir? C'est combien de départs? Vous avez compté le nombre de départs depuis 2021, par exemple? Bah, c'est l'équivalent d'une équipe et demie, voire deux équipes, quoi. Voilà, entre les joueuses internationales. Après, que des joueuses qui ont un cycle et qu'il y ait des joueuses qui partent, c'est normal. Quand on voit dans les clubs dans lesquels elles sont parties, la Juventus, Chelsea, il y a eu le Real Madrid. Bon, on peut comprendre, il y a une progression. Mais le problème, c'est que tu remplaces pas rien derrière, c'est-à-dire pas par rien, parce que ça serait manquer de respect aux joueuses qui donnent tout et qui ont tout donné cette saison, mais par des joueuses qui n'ont jamais connu autre chose que le niveau U19. Et donc ça, c'est très compliqué. Ou alors des joueuses qui ont été, parce qu'on va me faire le procès de dire que je ne dis pas la vérité, mais c'est vrai qu'il y a des joueuses qui ont connu la D1, mais qui étaient blessées et qui reviennent de blessure, donc qui ont intégré Bordeaux en étant en phase de récupération, ou des joueuses fragiles, comme un peu Mylène Thériault, fragile sur le plan physique. Donc ça n'a pas vraiment apporté grand-chose. La seule recrue qui, pour moi, aujourd'hui, a apporté quelque chose, c'est Laura Bourgoin. Bon, manque de bol, on voulait la faire venir, enfin, on devait la faire venir en juillet, elle est venue en janvier. Bon, voilà, parce qu'on a permis un départ. Donc voilà, donc le projet derrière, c'était quoi? C'était ne pas remplacer les joueuses d'expérience, et économiser sur des bouts de chandelle, parce qu'au final une équipe féminine ça coûte pas énormément d'argent dans la masse d'un budget d'un club de Ligue 2. Et d'ailleurs Charlotte Bilbao, j'ai retrouvé des déclarations de Charlotte en octobre 2022 où elle disait en substance ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Et nous quand on a alerté, on s'est fait tomber dessus. Charlotte Bilbao, quand elle a prononcé ces mots-là, je me souviens très bien des réactions. Je ne voudrais pas m'avancer, mais il me semble qu'il y a eu une réaction de Gérard Lopez aussi, ou de son entourage, et également de ses relais de communication auprès des supporters, en disant qu'elle disait de la merde, que ce n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas de désengagement, qu'au contraire, il y avait un véritable projet, etc. etc. Le véritable projet, en fait, il nous a conduit aujourd'hui droit en D2. Et c'était l'objectif recherché pour moi, parce que on peut pas vendre un projet d'une équipe qui est en progression depuis 2015 en continuant, en bifurquant et en changeant complètement de politique. Donc voilà. Donc aujourd'hui on en est là. C'est la responsabilité de Gérard Lopez. C'est la responsabilité de Thomas Jacquemier qui nous ont vendu un projet qui absolument à contre-courant de tout ce qui est fait aujourd'hui par les clubs professionnels qui ont des équipes féminines. Mais ça, encore une fois, il va falloir l'assumer, et je doute que Gérard Lopez l'assume. Voilà. Encore une fois, il trouvera des moyens de communication, encore une fois, pour jouer sur les mots et pour échapper à ses responsabilités. Est-ce que c'est vrai que c'était annoncé, tu l'as dit, et c'est vrai que l'équipe masculine était déjà descendue, hein, première année en 2021-2022, on descend Ligue 2, là c'est les féminines,
Et c'est un peu les féminines, beaucoup se disaient « Oh, mais c'est pas grave, ils concentrent tout sur les hommes. » Mais finalement, on s'aperçoit que c'est la même stratégie qui est mise en place chez les hommes. Simplement, elle est menée différemment. Elle est moins brutale, mais petit à petit, c'est la même pente. Est-ce qu'on imagine juste un instant qu'à la fin de la saison dernière, on n'arrive pas à monter, on liquide 80% de l'effectif professionnel masculin et on intègre 90% de joueurs des U19, voire des U17. Est-ce qu'on imagine ça pour une équipe professionnelle masculine? Non. Moi, en tout cas, en tant que supporter des Girondins, je ne l'aurais pas imaginé, je ne l'aurais pas accepté. Je ne l'accepte pas et je ne l'ai pas accepté, je ne l'accepterai jamais pour l'équipe féminine. Surtout qu'elle véhicule toujours une image positive. Les filles, elles véhiculent toujours une image très positive du football. Et par respect pour les joueuses, depuis que la descente en D2 est actée, j'ai eu à discuter et à échanger avec beaucoup d'anciennes joueuses de l'effectif, que ce soit passé récent, voire passé plus lointain. Je tairai les noms pour ne pas les mettre en porte-à-faux vis-à-vis de leur club actuel et vis-à-vis de certaines conséquences qu'elles pourraient avoir d'avoir pris des positions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui aux Girondines, mais elles sont dégoûtées. Voilà. Beaucoup m'ont dit voilà, on a fait tout ça pour rien, quoi, entre guillemets. Quoi. Nous, on s'est sué sang et eau pour ce maillot, on a fini en Ligue des Champions. Et il y a un mec qui arrive et qui crame tout. Voilà, en gros, c'est le message, c'est ça. Donc, chez les hommes, il s'est passé la même chose avec la descente, hein, et la réduction de la qualité de l'effectif, avec notamment cette descente et 2022. Simplement, la Bordeaux s'appuyait sur un centre de formation qui était construit depuis des dizaines d'années et qui avait du savoir-faire. Mais qu'est-ce qui va se passer cet été prochain? Peut-être que l'été prochain, on va vivre peut-être la même chose. C'est une supposition. Hein. Bah, qu'est-ce qui s'est passé avec les filles cette saison? C'est une supposition, hein, Nico. Hein. On ne sait pas. C'est une option. Ah, oui. C'est une option. Donc, je trouve que le fait de s'être désintéressé des féminines et de leur situation par désintérêt, c'est les filles, on s'en fout, ce qui compte, c'est le football masculin. Je pense que c'est une erreur de la part de certains, d'avoir négligé la façon dont elles sont traitées, parce que c'est symptomatique de la façon dont on peut traiter l'autre équipe et l'équipe masculine. Voilà, c'est juste pour donner mon avis. Juste Nico, juste pour dire une chose. Moi, j'aurais préféré que Gérard Lopez en 2021 arrive et il nous dit, aujourd'hui, j'ai pas le pognon pour financer tout le monde. Donc, je ferme la section féminine. On lui aurait hurlé dessus à l'époque, il n'aurait pas été bien vu, ça aurait pas été l'homme populaire qui flirte avec ses petits copains dans les tribunes. Ok. Mais moi, à la limite, j'aurais préféré vous dire, je préfère qu'il vienne, qu'il annonce un truc désagréable plutôt qu'il… En fait, Gérard Lopez, c'est un politique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre une décision qu'il faut prendre parce qu'elle est utile, on va dire à moyen long terme, il veut se faire aimer. Et donc, à l'époque, il voulait nous aimer. Donc, ah, je vous remets le logo. Ah, je fais des papouilles au leader des ultras aussi, et machin, etc. Mais s'il était arrivé et qu'il avait dit texto, les féminines, je ne vais pas mettre un rond dedans. Aujourd'hui, j'ai récupéré un club masculin, enfin, une section masculine qui a l'agonie. Et c'est elle qui va, de facto, être le moteur, notamment financier du club. Donc, je me concentre d'abord sur remettre la section masculine sur pied pour pouvoir derrière justement de nouveau pouvoir avoir des bassins pour le reste, ça aurait pas été populaire, mais j'aurais dit au moins. Tu n'as pas le droit de fermer la section féminine, apparemment. Tu peux pas. Oui, c'est... Non, mais ils sont obligés d'avoir une équipe féminine. À mon avis, non, mais qu'il assume à ce moment-là. Qu'il assume dès l'époque, effectivement, aussi, avec un discours en disant. On aurait gueulé à l'époque à juste titre, mais au moins on aurait évité, vous venez de le dire Thibaut et Gino, une liste longue comme mon bras de mensonges, une fois de plus, de promesses non tenues et de sentiments, une fois de plus, 3 ans après, que le mec, pardon l'expression, elle est très vulgaire, mais t'as pris dans tous les sens. Oui, c'est vulgaire. C'est très vulgaire. Mais malheureusement, c'est gâche que toi. Je pense que c'est bien imagé pour tous les supporters qui ont encore vu le réveil, l'article de Sud-Ouest et compagnie, la vidéo de Romain il y a 3 jours. Au bout d'un moment, ça part partout. Hein. Tu sais même pas quand ça va s'arrêter. Non, mais pour les féminines, on voulait en parler dans le talk, parce que je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, Thibaut et Gino. Après, à part s'énerver,
ce qui servirait à rien. Pas ce qu'on peut non, faire. Mais c'est énervé. Ça dépend comment tu t'énerves, Nico. C'est toujours pareil. Mais les gens ne sont pas obligés non plus de passer sans rien dire. Hein. Ils peuvent aussi dire ce qu'ils pensent à cette direction. Et je pense que c'est bien, notamment, que le public se manifeste sans insulte ni violence. Mais on a le droit quand même de dire à ces gens, vous avez failli, vous êtes en train de salir le club. Parce que qui souffre au milieu, là? Qui c'est qui souffre? C'est les gamines de 19 ans, de 20 ans, qui n'ont pas le niveau. Qu'est-ce qu'on voit, en fait, sur les matchs? Tu sais quand tu es en tribune, là, le dimanche, là, tu sais ce qu'on voulait? On voulait marquer un seul but ce dimanche à Fleury. Un seul but, pour que les gamines, elles aient du bonheur. Mais on parle de qui, là? On parle des Girondins de Bordeaux? On parle d'un club amateur? On parle de qui, là? Tu parles d'un centre de loisirs, là. On parle de qui? On est où, là? On est où, en fait, là? Et tu vois des gamines, mais ce n'est pas pour mentir. Et voilà, on ne va pas dire les noms parce que moi, ça me fait chier pour elles. Est-ce qu'on peut comprendre qu'elles ne soient pas au niveau? Comme l'a dit Thibaut, elles sortent de 19 ans, elles sortent de 17 ans. Elles n'ont pas toujours… Ben, physiquement, en plus, elles tombent sur des filles qui sont en pleine force de l'âge, qui sont avec un certain niveau professionnel depuis 2-3 ans. C'est difficile, les matchs. Il y en a qui progressent malgré tout. Mais elles sont lancées dans un bain où elles se noient, en fait. Elles sont en train de se noyer. Et en fait, on les regarde, personne ne les accompagne, personne ne communique, et on laisse faire. On a raison, on laisse faire. On va laisser faire combien de temps dans ce club? On va laisser faire combien de temps? Parce que c'est les filles, c'est les mecs, c'est le centre de formation, c'est les finances. Comment ça se passe? Ah, c'est sûr que personne ne parle. Ou quand ça parle, comme l'a bien dit Samuel, ça parle de partout, parce que l'entourage proche, il parle partout en ce moment, vu les difficultés qu'il y a partout. Partout. Mais on a raison. Fermons les yeux. Et ne disons rien, surtout. Ne disons rien. C'est la bonne attitude à avoir. Thibaut ? Non, mais je partage évidemment le coup de sang de Gino. C'est vrai que, bon, moi, je vois des gamines de 17, 18, même voire plus jeunes que ça, qui essayent, hein, qui sont... baigné dans ce moule un peu cet océan un petit peu à part du club, parce que c'est vrai que pendant la période où c'était très compliqué pour les Girondins hommes, eh ben, elles ont surnagé et elles ont prouvé que l'esprit girondin n'était pas mort. Quelque part il y avait une forme de résistance, et c'est ce qui moi m'a fait aimer cette équipe girondine, et aujourd'hui elles se battent avec leurs armes, elles se battent avec leurs valeurs, et elles ont fait les choses comme elles ont pu, avec un Patrice Clerc qui a été impliqué du début jusqu'à la fin. Je le salue d'ailleurs s'il écoute et s'il y a des gens qui le connaissent et qui écoutent cette vidéo, parce que pour moi, ça restera quelqu'un qui a des valeurs et qui a refusé de baisser la tête devant la situation qu'on lui a imposée. Il l'a accepté, hein, il aurait pu partir, mais il l'a accepté par amour pour ses joueuses, par fidélité pour elle aussi, par amour, on va dire... technique, hein, je ne parle pas d'amour physique, mais d'amour technique. Et surtout, voilà, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout et qui est resté entier, qui est resté fidèle à lui-même. D'ailleurs, je dis aussi que dès l'élimination contre Wolfsburg en Ligue des Champions, allez checker sur Google, tapez Patrice Fer Wolfsburg et vous allez voir ce qu'il a dit dès l'élimination, où déjà il parlait d'une difficulté, à savoir que sans moyens, cette équipe-là n'irait pas loin et le projet serait mort. Et il s'est fait déglinguer par la direction, par les relais de la direction, par les commentateurs à côté, où il disait, voilà, clairement, moi, on n'y arrivera pas. Et finalement, 2 ans après, il avait raison, mais comme on le savait déjà. Donc voilà, moi ça me déchire le cœur pour des joueuses qui ont tout donné, que ça soit cette année ou les années passées. Le symbole pour moi, et elle va peut-être m'en vouloir de la citer, mais c'est Andrea Lardès, parce que elle a tout connu. Elle est là depuis 2015 et voilà. Et en 2000, moi je me dis on est revenu en 2015, mais en fait même pas, parce qu'en 2015 il y avait un projet, il y avait une équipe, il y avait de l'ambition, il y avait une ligne directrice. On ne savait pas combien de temps ça allait prendre, mais on savait qu'on allait y arriver. Là, on va arriver en juin. On ne sait même pas s'il y aura un après. S'il y a un après, dans quelles conditions ça va repartir, avec quelles joueuses,
comment, sur quel projet, voilà. Donc c'est là où c'est un petit peu, où c'est pour moi ça me dégoûte. Et je suis entre tristesse, résignation, colère, dégoût. Voilà. Et je me demande, pour terminer là-dessus, parce que je sais que votre temps est compté, pour terminer là-dessus, je me demande encore comment des partenaires du club qui financent cette équipe féminine, à travers des sponsors, etc., ne peuvent pas à un moment donné se rebeller, ouvrir leur gueule et dire ça suffit, quoi. Où va notre argent ? Qu'est-ce que vous avez fait de notre pognon ? Pourquoi ces joueuses-là ont été laissées à l'abandon ? Pourquoi cette équipe-là a été laissée à l'abandon ? Tout le monde a alerté, tout le monde le sait ce qui se passe dans cette équipe. Tout le monde sait qu'il y a des difficultés pour organiser la saison, etc., etc. Comment ça se fait aujourd'hui qu'avec le nombre de gens qui gravitent autour de cette équipe, dans l'indifférence la plus totale, on les a abandonnés ? Et sans demander de compte à la direction, c'est ça qui est le plus grave. Donc voilà, moi j'attends et j'espère que Gérard Lopez un jour assumera et dira ce qu'il compte faire de cette équipe féminine, même si c'est un vœu pieux, je le sais. Bon, mais merci. Vous voulez rajouter quelque chose ? T'as tout dit, Gino, t'as parlé avec ton cœur tout à l'heure. Comme d'hab. Voilà. Je n'ai pas trop l'occasion d'intervenir, mais parce que cette saison, j'ai très vite compris de toute façon que la saison, ce serait coup de souffrance pour les féminines et j'avais pas trop envie d'assister à ça pour pas trop me casser le moral. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu des gens dire encore que c'est la suite logique de King Street, etc. Et tout, alors qu'à l'époque où Gérard Lopez arrive, les féminines étaient justement au sommet. Bien sûr. Qu'elles ont connu Ronan Bordeaux, c'est là qu'on joue le match contre Wolfsburg. Justement, à ce moment-là. Ouais. Et c'est là que le déclin commence, en fait, du coup. Donc là, en fait, il n'y a pas d'excuse. Ils te diront que c'est parce que ça a impacté les masculins. Donc, après, encore une fois, par rapport à ça, c'est qu'encore une fois, le budget des féminines, quand on te parle aussi d'argent, le budget des féminines n'est pas du tout le même que le budget effectivement du foot masculin, etc. Et tout. Il y a trop eu d'excuses. Il y avait cette histoire de centre de formation. On te faisait croire qu'elle avait un centre de formation pour les féminines, etc. Et tout. Sauf que là, le projet, il tombe à l'eau et c'était prévu, limite, en fait. Du coup, il y a un moment donné, voilà, c'est pas. Humainement, c'est déplorable ce qui s'est passé, on ne va pas se le cacher. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, moi, derrière, encore par rapport à ça, c'est que pour moi, c'est un avertissement. C'est l'un des premiers piliers des Girondins qui est en train de tomber. Là. On a quand même, ça s'est bien effrité, hein. Mais là, c'est le premier pilier qui, pour moi, va tomber. De quoi ? De toute façon. Au Girondins de Bordeaux, c'est le premier pilier sportif qui va tomber au Girondins de Bordeaux. Tu as une maison avec plusieurs piliers. Le pilier central. C'est que le premier, pourtant. Tu vois, c'est l'équipe masculine. Je ne comprends pas. Vas-y. Mais en fait, sportivement, il te reste quoi ? Il te reste les jeunes, la réserve, l'équipe première masculine et l'équipe première féminine. L'équipe première masculine, elle est déjà morte, Joe ? Non, elle est encore professionnelle. Elle est encore professionnelle, pour l'instant. Vas-y, termine. C'est pour ça que je te dis, c'est un avertissement encore. Enfin, c'est un énième avertissement, si tu préfères. Voilà, c'est parce que tu sais très bien que les féminines, l'an prochain, c'est mort. En division 2, ils vont. C'est plus professionnel, division 2. Si, c'est encore professionnel, mais t'as moins d'aide, t'as moins de tout mais ça. Mais pas diffusé, ça, c'est pas ça, professionnel, c'est un contrat, c'est des contrats fédéraux, je crois, ou des choses comme c'est ça. C'est semi-pro comme le national. Semi-pro, voilà. C'est-à-dire tu gardes le statut professionnel pendant un an ou deux après, ans. T'as quand même des belles équipes, hein. Voilà, Lens, Marseille, t'as quand même des équipes Metz, etc. Donc, des projets qui se construisent, ouais. Ouais, t'as des clubs qui commencent à investir. On a souvent critiqué l'OM, etc. Là, t'as Nantes et Strasbourg, je crois, qui sont en course pour monter en D1. Donc voilà, il y a des choses intéressantes qui se passent, qui se mettent en place. Mais le problème, c'est que nous, on est au lieu d'être sur la phase ascendante, on a pris un virage qui est pas bon du tout aujourd'hui. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est malheureusement, on en est là. Et il va falloir l'accepter comme. Mais il va falloir aussi demander des comptes et faire en sorte que cette équipe continue à vivre parce que ces joueuses-là le méritent. Mmh. En tout cas, ça a été vraiment l'agonie silencieuse de cette saison parce que il mangeait les pizzas avec le comité 1880 mais après pour moi c'est quand même un énième exemple, un énième avertissement et pour moi c'est un pilier important qui est en train de s'effriter parce que en 3 ans une équipe qui était en Coupe d'Europe la faire limite disparaît d'ab parce que je sais même pas si on aura une équipe l'année prochaine, on verra comment ça va se passer, mais quand tu vois que cette année on avait même pas une équipe de division, on avait une équipe de U19 en division 1, qu'est-ce qu'on va avoir l'an prochain? Ouais, on ne va pas se leurrer non plus, tu vois. Donc, allez, entre la réserve, les jeunes et puis l'équipe professionnelle qui est à la limite de descendre en national, et on ne sait même pas, on verra comment se passe la DNCG. Mais ça fait quand même. C'est un bel avertissement pour ceux qui essaient encore de préserver certaines choses.
Bon, merci Thibaut d'être venu. Merci à vous, les gars. Échanger. Et puis, bon talk. Hein. Ben, merci. Bonne soirée à toi. À très vite. Allez, dans la Bordelaise. On se fera une dernière Bordelaise. Pas avec soucis, Patrick Gomez. Avec plaisir. Avec plaisir. Quand il sera calmé. Ouais. Non, je plaisante. Salut les gars. Bonne soirée. Des réactions sur le chat, pas mal. Hein. Bon, tu les as affichées, Thomas. Je ne sais pas si tu souhaites en relayer. Je veux saluer Ferny, qui est socio. Qui non, je n'ai pas des Alex. Messages à retenir, mais bon, je les ai affichées. C'est à peu près dans le même cas. C'est okay. Abandonné. Voilà. Allez, bon, on avance. Bien sûr, si le club souhaite communiquer, il peut le faire avec plaisir. Mais Nico, émission, moi, sait, je trouve ça... On serait... ouais, on l'a déjà vu. J'ai vu qu'il y avait marqué que Thomas Jacquepied n'allait pas à beaucoup de matchs. Si, il est souvent à certains matchs. Moi, j'ai discuté avec lui il y a peut-être un mois et demi. C'est un de ceux qui vient le plus au match, Thomas Jacquepied. Hein. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que ça le dit, ils n'étaient pas là. Et c'est bien, d'avoir commencé encore une fois l'émission, je pense, par ce sujet, même si on a pris un peu de temps, parce que c'est quand même une équipe importante qu'on doit considérer un minimum quand on est un club. Je suis désolé. Pour moi, c'est un club, c'est ça. C'est pas que l'équipe première. Et... voilà, et je trouve que c'est bien qu'on ait fait ça ce soir. Allez, parlons de positif, parlons de l'équipe des Girondins de Ligue 2. Non, bon, ça vous fait pas rire, Samuel, il rigole plus. Non, non, je regardais une connerie. Bon, voilà. Bordeaux, une de plus. Oui, Bordeaux. Allez, messieurs, les enseignements, Bordeaux a accueilli Bastia et Bordeaux a perdu 3-2 face à Bastia. On passe aux enseignements. Allez, les enseignements, on commence allez, Joe, il n'a pas trop parlé dans cette première partie. Joe, qu'est-ce que tu retiens, ce match Bordeaux qui accueillait les Corses de Bastia et Bordeaux qui a été mené de 3-0 dès la 32e minute et qui revient à 3-2 sans pouvoir l'emporter. On t'écoute. Ben déjà, une approche et une entame de match complètement ratée contre le Paris FC. La compo de Albert Herrera était dans la continuité du match précédent, mais encore une fois pas adaptée à l'adversaire parce que c'était pas du tout la même typologie de l'adversaire. On peut effectivement lui trouver l'excuse de la blessure de Pitu, comme dirait Marvin, avant le début du match. Mais encore une fois, c'est une entame ratée. À domicile, ça commence à faire beaucoup ces derniers temps. Offensivement, j'ai pas trouvé le jeu inintéressant ni stérile, hein, en tout cas sur la première heure de jeu, on va dire. Surtout que les deux buts viennent de combinaisons ou de tactiques essayées de mettre en place Albert Herrera sur coup de pied arrêté et sur l'engagement en seconde mi-temps. Mais après une telle entame, c'est quand même très très compliqué de revenir au score. Je sais qu'Albert Herrera fait partie des partisans qui nous expliquent que pour gagner un match, il faut surtout marquer un but de plus que l'adversaire. Mais quand tu en prends 3 en moyenne sur les deux derniers matchs à domicile, c'est compliqué quand même de gagner, d'en marquer 4 à chaque fois. Donc on sent bien dans cette équipe qu'il y a un tel déséquilibre, une telle fragilité que de toute façon, parfois on donne un petit peu le bâton pour se faire battre avec les idées et le système de jeu Albert Herrera. Et justement, mon deuxième point, c'est un petit peu c'est justement les faiblesses défensives sur ce match. Pourtant, Albert Herrera nous a expliqué que défensivement, ils avaient travaillé notamment les ballons longs dans le dos. Mais encore une fois, les phases de transition défensives sont vraiment une catastrophe dans cette équipe. Alors oui, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés à côté, Barbey, Niatenko, et qui retombent un petit peu dans ses vieux travers en étant très très nerveux, et en étant vraiment pas loin du rouge en fin de première mi-temps. Marcelin reste Marcelin, Johnson n'a pas été impayable malheureusement sur le second but, ça arrive aussi pour lui de temps en temps aussi malheureusement de faire pas une erreur, mais d'être effectivement de pas faire forcément le geste qu'il faut quand il faut. Mais pour moi, la défense, c'est l'affaire de 11 joueurs et pas seulement de 4 ou 5. Lors du match contre Caen, la force de cette équipe, c'est que justement, il y avait un bloc solide qui défendait. Les premiers défenseurs, c'était les 3 attaquants qui gênaient les relances adverses, qui empêchaient de jouer vite et qui empêchaient les Canets de ressortir un ballon, on va dire, facilement tout le temps. Donc, oui, avoir un axe un peu plus mobile, ça aurait peut-être été une bonne idée. Mais une équipe qui sait défendre ensemble, même si c'est rare, c'est déjà arrivé aux Girondins de Bordeaux. Ça nous a permis de gagner le match contre Grenoble et Caen notamment. Les adversaires qui sont plutôt joueurs, mais c'est quelque chose que je ne retrouve jamais face à des équipes qui ont un bloc bas ou des équipes qui n'ont pas forcément de facilité dans le jeu. Et c'est quelque chose que je reproche beaucoup à notre équipe et à notre staff.
Et enfin, mon troisième point, c'est un petit peu un problème qui commence vraiment à apparaître, c'est l'opposition entre Captain Barbet, on va dire, et ses qualités et ses défauts, et les idées de jeu d'Albert Herrera. Juan Barbet n'est que l'ombre de lui-même en ce moment, on ne va pas se le cacher. On le sait tous que Juan Barbet, la gestion de la profondeur, c'est très compliqué pour lui, et parfois ça le sort un petit peu de son match. Et même, ça lui enlève certaines forces qu'il pouvait avoir. Même ses forces deviennent un peu des faiblesses, comme la lecture du jeu, les duels, le jeu avec ballon. Donc Barbet n'est sans doute pas adapté aux idées du jeu de son coach, avec cette idée un petit peu de bloc haut, qui doit avoir la possession tout le temps et dominer sans arrêt, qui soucie peu des transitions défensives à la perte du ballon. Mais est-ce qu'il est le seul dans cet effectif à être vraiment moyen, voire catastrophique actuellement en termes de joueurs? Le coaching, pour moi, à la mi-temps, il est ridicule. Surtout qu'on constate qu'en seconde mi-temps, on est encore moins bon dans le jeu. Sur ce match, pour moi, le coaching est juste à l'image de la gestion d'effectifs de Herrera et de ses idées de jeu. Les idées de jeu que Albert Herrera, pour moi, n'arrive pas à installer dans les têtes et dans les jambes des joueurs. Surtout que je trouve que le réveil de l'équipe se fait avant la mi-temps. C'est le but, en fait, qui réveille un petit peu. On voit très bien que dans l'intensité en fin de mi-temps, sur les 5 dernières minutes, il y a quelque chose qui se passe, ça répond un petit peu mieux, ça va un peu mieux. Et bizarrement, il y a effectivement ces trois changements qui, pour moi, à ce moment-là, sont peut-être à tenter, mais ne sont pas forcément le plus judicieux. On voit très bien que la seconde mi-temps dans le jeu, ça a été encore moins bien. Donc le problème pour Barbet, c'est qu'il est un petit peu en première ligne parce que c'est ton capitaine et leader et l'image de cette équipe, et que quand lui vacille, tu sens très bien qu'avec le poids, ça a de l'impact sur beaucoup de monde. Mais à côté de lui, je ne trouve pas Bokele, Marcelin, Ecomier, Michelin cette saison vraiment exceptionnelle non plus. Nsimba qui est en plus blessé. Et très franchement, je trouve même que le match d'Ecomier, alors que je ne l'avais pas prévu, Ecomier défensivement a été limite le meilleur de ce match. Et ça, franchement, c'est pas sur ce quoi je me serais appuyé avant le début du match. Donc on peut pointer du doigt un joueur ou une personne, parce que je sais que dans ce club, il faut toujours trouver un coupable de tous les maux pour se défouler ou se défausser à n'importe quel moment. Mais encore une fois, je le dis souvent, quand une défense ne tient pas la route, ce n'est pas la faute que nos joueurs. Quand une équipe ne marque pas, ce n'est pas la faute que d'un joueur, surtout quand les erreurs et les faits se reproduisent. Et enfin, une dernière question aussi sur Juan Barbet. Quel est l'état physique du capitaine Barbet, en sachant que déjà il était fragile la saison dernière et que les terrains ne sont plus arrosés depuis plusieurs semaines et qu'on commence à avoir quand même pas mal de blessés depuis quelques semaines? Sa sortie est peut-être juste due aussi à une faiblesse physique. Bref, Juan Barbet n'y est plus, au même titre que tellement de monde dans ce club, qu'il est difficile pour moi de faire une fixette sur ce bonhomme sur le terrain, surtout quand on voit ce qui se passe en dehors. Voilà. Merci Joe pour ces enseignements. Je te remercie. On va en parler en détail tout à l'heure. Samuel, on t'écoute. Qu'est-ce que tu retiens de ce Bordeaux-Bastia? J'avais dit que je ne parlais pas de sportif, j'ai rien à dire sur ce match. Sincèrement, quels enseignements tu veux tirer de cette rencontre? Le seul enseignement que je peux tirer, c'est que je trouve quand même, alors complaisance ou résignation, mais je trouve quand même qu'il y a peu de réactions, que ce soit sur le terrain ou ailleurs, par rapport à tout ce qui se passe sportivement et à l'intérieur du club. Est-ce que les gens sont résignés? Est-ce que les gens sont complaisants et se taisent parce qu'ils ont honte de ce qu'ils ont fait? Mais ce n'est pas grave, on peut avoir fait des conneries, il suffit de l'assumer et d'essayer de les réparer. Ou se terrer dans le silence, ou pire, se rester dans la complaisance jusqu'au bout en se disant, de toute façon, comme certains le disent, notamment ceux qui ont participé à la venue et qui sont bien connus de l'actuelle direction, en disant, non, mais moi, je suis obligé de le suivre jusqu'à la mort parce que, de toute façon, je me suis trop mouillé. Donc, encore une fois, moi, je dis à ces gens, non, à ces gens et à tous ceux qui hésitent, non, vous pouvez manifester. Vous pouvez, à 3-0, faire autre chose que 30 secondes de sifflet. Vous pouvez sur le terrain, vous pouvez à 1 ou 2-0 comprendre que vous faites ouvrir à chaque fois que l'adversaire passe la ligne médiane et qu'il suffit de resserrer un peu tout en restant dans ce qu'a demandé le coach, mais juste en étant un soupçon attentif et réactif sur le terrain. Donc voilà, c'est la seule chose que je retiens, c'est que partout, à tous les étages du club, on arrive de plus en plus à se complaire dans ce qui se passe. Je sais pas pourquoi. Franchement. Bon, pas de sportif pour toi. On oublie sportif, tu l'as dit, tu restes sur ta ligne. David a été correct et que les 10 autres ont été mauvais. Voilà. Ah, ok. Très bien. C'est ton choix, monsieur Samuel Vasselin. Gino Forte, tu étais au stade? Oui. Dans une ambiance qui n'était pas une ambiance des grands soirs aussi, il faut le dire.
Bah, 3-0, c'est pas compréhensible. Oui, mais même avant, Nico, pas une atmosphère, si tu veux, qui te pousse à aller chercher quelque chose, puisque les gens, logiquement, hein, j'ai envie de te dire, sont un peu en dedans quoi, par rapport à tout ce qui se passe. Bien que les ultras aient encouragé tout le match, et on peut aimer ou ne pas aimer, mais c'est aussi le rôle de supporter. Moi, chacun est libre. Certains peuvent partir du stade, c'est leur droit aussi. Certains peuvent couper la télé, c'est leur droit également. Et comme certains supporters, et heureusement qu'il y en a, restent dans le stade et encouragent l'équipe. Il faut aussi qu'on se considère tous comme des supporters, pas les vrais, pas les faux. Le premier renseignement, ça sera sur l'indignité défensive. Voilà, cette première demi-heure, elle est honteuse défensivement dans notre attitude. Quand on regarde le premier but, dès la première minute de jeu, ça en dit beaucoup. Le second, allons-y, quoi. J'ai envie de dire, Vincent s'est quand même régalé, je trouve, à faire des courses. Il n'a pas été beaucoup suivi, il n'a pas été beaucoup stoppé. Et puis, bon an, mal an, on a pris un troisième but, parce que dans cette équipe, on a la capacité quand même à aller vers le pire. On avait déjà pris 3 buts face au Paris FC. On a continué dans la même trame. Il y a des joueurs quand même qui sont indéfendables. Ils n'ont pas défendu, je ne vais pas les défendre. Johan Barbé, indéfendable samedi. Marcelin, indéfendable. Les milieux de terrain, c'est pas mieux. Hein. Sissoko, qui n'est pas capable de faire une passe vers l'avant, qui n'est pas capable techniquement de conserver un ballon, ça aussi, il faut en parler. Il y a plein de joueurs dans cette équipe. Sauf qu'on avait réussi quand même, malgré tout, à marquer par nos 2 joueurs offensifs qui sont un peu mieux, Zvirko Davitashvili, qui avait réussi à enchaîner quand même. Livolan qui, mon Dieu, arrivait à mettre un beau but dans ce match. Et malgré tout ça, malgré le fait que ça soit un match qui pouvait tourner un peu, on le sentait, un match un peu fou après ce but dès la première minute de la seconde période, c'est mon deuxième enseignement. On n'a même pas eu ce second souffle pour aller chercher cette équipe de Bastia qui était très moyenne, il faut le dire, qui a joué en gagnant le temps qu'elle devait gagner, en faisant ce qu'elle devait faire. Et nous, on n'a même pas eu cette capacité à tourner le match en notre faveur, en notre avantage, à l'image de la saison. Et donc, le dernier, ça sera sur ce qui va arriver. Et Saint-Étienne, c'est un choc qui est déprogrammé. Parce que si Saint-Étienne est digne de faire un choc de Ligue 2, parce qu'eux se rétablissent, eux vont jouer quelque chose, nous sommes encore à la 13e place. Voilà. Toutes les semaines ou 2 semaines, on retrouve notre place attitrée, qui est, à l'image de notre saison, catastrophique. Merci Gino pour tes enseignements. Je vois qu'il y a pas mal de réactions sur le chat. Thomas, est-ce qu'il y en a certaines que tu souhaites nous relayer? Oui. En premier lieu, c'est celui d'Aruna. Bon, pour lui, c'est son habituel. Les enseignements, une première mi-temps cataclysmique. Je ne sais plus parler, j'en ai marre. Allez, articule. Le monsieur te demande d'articuler. Ok. Les enseignements, une... les enseignements, une première mi-temps cataclysmique. Le choix fort du coach en sortant Barbé, Ignatenko, Marcelin. Bonne entrée du jeune Angeli. Ah, c'est vrai. Angeli, intéressant. Il rentre à 3-1 quand Bastia n'attaque plus. Alors oui, je trouve aussi qu'il fait une rencontre intéressante, mais c'est incomparable avec les vagues que tu subis en première mi-temps parce que tu ne les as pas en deuxième. Mais oui, ça rentrait pas mauvaise. Mais comment, encore une fois, c'est pour ça que je ne parle pas de sportif. C'est pas que pour faire la guerre à Gérard Lopez, mais comment tu veux juger des mecs sur ces prestations-là? Comment tu veux juger un jeune qui rentre à 3-1, qui doit défendre sur une équipe qui attaque plus et qui est là pour défendre un résultat? Enfin, tout est biaisé, en partie parce que sportivement, c'est mal géré, notamment par Ira. Mais bon, voilà, encore une fois, oui, c'est très sympa de dire qu'Angeli, c'est bien ce qu'il a fait. Mais dans ce cas, Albert, mets-le dès le début. Mets Barbé sur le banc. Si tu vois que Barbé, il te met dedans à chaque match. C'est 2-3, voilà. Est-ce qu'il ne peut pas le faire à Saint-Étienne, mettre Barbé? Mais il va le faire, Nico. Il va le faire à Saint-Étienne avec ce qu'il a dit. Mais il va le faire à Saint-Étienne, ça va changer quoi? Tu vas, du coup, je vais même te dire, c'est une erreur de mettre Barbé sur le banc à Saint-Étienne pour moi. Parce que s'il y a bien un match où tu auras besoin de Barbé en Ligue 2, où il y aura 40 000 personnes, enfin 36 000, je crois, le chaudron, personne, etc., machin, qui va en balancer Angeli, si on en prend 5, le gamin, t'en fais quoi derrière? Tu le ramasses à la petite cuillère? Oui, c'est à l'image. Mais c'est à l'image de notre saison et du club. Hein. C'est ça, ouais, de la gestion. À ce moment-là, tu ne fais plus rien.
Non, mais, non, il mais est compréhensible. Non, non, mais non. Le changement, moi, il peut pas, être compréhensible pas, sur le match. Je suis pas forcément d'accord de dire « Ouais, il faut le garder. » À ce moment-là, tu ne changes plus rien parce que tu auras toujours une bonne excuse, la peur. Écoute, s'il fait le même match que face à Bastia, je vois pas ce qu'il peut apporter, Johan Barbé, sur le terrain face à la SSE. Je sais pas. Hein. Non, alors, je contre-argumente. Voilà. Non, mais regarde le... non, bien sûr, tu as raison, mais regarde le match de Caen. Regarde le match de Caen. Moi, j'ai envie de te dire, Barbé, là où il n'est pas bon, c'est que dès qu'il y a des matchs… Il a été excellent face à Caen. Mais c'est pour ça, dès qu'il y a un match, non, mais dès qu'il y a un match où en fait Rera pousse un peu trop le délire de vouloir. Mais voilà, dès que tu veux contrôler, jouer à 50 mètres de ton but, t'as pas les défenseurs pour ça. Marcelin, on l'a vu dès le premier match, et dès Guillon à Pau, Marcelin, il est. S'il y a 3 mètres, il n'est pas capable de rattraper 3 mètres sur une action, alors quand il y en a 50, ben. Autant vous dire que le joueur, il a déjà marqué, fait le tour du stade, que Marcelin, il n'a même pas rentré dans la surface. Barbé, je l'aime beaucoup, mais on sait très bien, on connaît ses qualités. C'est un défenseur qu'il faut mettre soit dans une défense à 3, soit comme l'an dernier, dans une équipe qui va avoir un bloc assez bas. Voilà. C'est... Oui, mais comme on risque de jouer bas, tu dis que ça serait mieux qu'il soit là face à Saint-Etienne parce qu'on risque de jouer bas. Pour l'ambiance. Et puis encore une fois, le pauvre Angeli, moi je ne veux pas que le pauvre Angeli, on le mette et que la semaine prochaine, on ait les commentaires de tous les supporters, il est claqué, il est machin, etc. et qu'on plombe un gamin parce que tu l'as envoyé dans un match où tu as une équipe qui va se battre pour aller en Ligue 1 et qui revient des morts. Et nous qui en est déjà mort, nous, depuis plusieurs Gino, mois. Gino, là-dessus, et ensuite Joe, sur est-ce qu'il doit mettre Johan Barbé face à Saint-Etienne, c'est une bonne question, hein, Gino, et après Joe. Mais je pense, vu ses paroles après le match, et vu ce qu'il a fait, sa décision qui est quand même forte, je pense qu'il va changer. C'est clair. C'est pas une décision anodine de changer ton capitaine. Mais après, moi, je la comprends, sa décision sur le match, parce que Johan Barbé, il est complètement à la rue sur ce match. Et c'est une décision qui est quand même porte plutôt ses fruits, parce que même si Bastia, ça me l'a bien dit, c'est pas le même Bastia que tu es en seconde période. Mais Barbé n'y était pas et Marcelin, pareil. Et ils étaient à 3 mètres des joueurs. Donc, maintenant qu'il a fait ce choix, il ne reviendra pas en arrière. Je ne le vois pas revenir en arrière pour moi, pour Saint-Etienne. Donc, il va continuer en allant, en donnant sa chance à Angeli. Mais comme l'a bien dit Sam, ça en dit énormément sur notre gestion de toute la saison. Et on l'avait dit, que Barbé, lui aussi, il pouvait couler avec le bateau. Et c'est un peu ce qui se passe des fois. C'est notre impression un peu à tous. Parce qu'on ne le reconnaît pas, le Johan Barbé de l'an dernier. Il ne faut pas nous dire des conneries. Il n'a aucune agressivité sur les joueurs, samedi, Johan Barbé. Et quand on connaît son copain Marcelin et l'agressivité de Marcelin sur les attaquants adverses, ça fait peur, une défense comme ça, même en Ligue 2. Hein. Joe, qu'est-ce que tu en penses ? Vous vous souvenez du match de Caen, quand même, il y a juste une semaine. Oui, moi je les ai mis dans les tops, Barbé Marcelin. Ils ont été excellents face à Caen. En fait, pour moi, ce n'est pas la question de savoir s'il faut mettre tel ou tel joueur. Non, mais c'est. Attends, Gino. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est pour moi, ce n'est pas la question de savoir s'il faut mettre tel ou tel joueur. Ce qu'on avait à Caen, peu importe le défenseur que tu mets contre Bastia, que ce soit Angeli, Biumla, le meilleur joueur, le meilleur défenseur au monde, Thuram, De Sailly, tout ce que tu veux, si tu prends des vagues sans arrêt que ton équipe elle est coupée en deux, que tu as un milieu et des attaquants qui ne défendent pas, comment tu veux arriver à défendre correctement ? Peu importe le joueur que tu mets, en fait. En fait, pour moi, la question, c'est même pas qui doit jouer, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu travailles défensivement. Les 11 joueurs doivent travailler défensivement, ce qui n'a jamais été fait depuis l'arrivée d'Albert Herrera. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Les seuls matchs où ça a été un petit peu son problème, c'est contre Caen et Grenoble, où il savait très bien que c'est des équipes qui pouvaient effectivement, dans le jeu, nous faire un peu plus mal que d'autres. Donc, du coup, il avait anticipé un petit peu plutôt des milieux qui effectivement compensaient la montée des latéraux, des attaquants qui empêchaient les relances, etc. Là, tu as quelque chose déjà pour aider tes défenseurs. Mais si tu n'aides pas tes défenseurs, peu importe le joueur que tu mets, on s'en fiche en fait, on prendra une roustasse quand même. Parce qu'on ne défendra pas à 11, parce que l'équipe, elle sera liquide, elle sera coupée en deux, et que Vincent, je suis désolé, mais les deux buts qu'il te met, le mec, il part de son milieu de terrain à chaque fois. C'est la faute que des défenseurs, ça ? Non, même lui, il est surpris. Mais pas que, là, tu as raison. Mais même lui, il est surpris. Vincent, c'était Thuram contre la Croatie, samedi. Mais eux, ils n'ont pas d'agressivité quand même dans les 25 derniers mètres. Mais comme toute l'équipe, Gino. Comme toute l'équipe, Gino. Je suis désolé. Mais eux, leur poste, Joe, quand même, et ce qu'ils représentent, un mec comme Johan Barbé, quand même, tu es d'accord avec moi ? Il doit influer sur ça. Il doit, tu vois ce que je veux dire ? Et même en tant que capitaine, c'est ça qui me... Aussi, ça fait partie de tout son match. Je suis d'accord avec ce que tu dis, tu as raison. Tactiquement, et ça se voit, et c'est pas que ces joueurs-là qui te font perdre le match et compagnie. Je suis d'accord. Mais après le premier but qu'on prend, qui est horrible, est-ce que tu vois vraiment quelqu'un qui
bah, qui engueule les mecs, tu dis oh, on arrête là. Ou on fait différemment. Tu le dis. T'as vu la réaction de Riera, Dino? Est-ce que t'as vu la réaction de Riera après? Riera est coupable. Non, non, c'est pas ça. Mais Dino, est-ce que t'as vu la réaction de Riera après les buts? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Est-ce que t'as vu la réaction de Riera après les buts? Et par rapport à quoi? Il dit rien. Dis-moi. Il fait quoi? C'est quand là, lui aussi. C'est lui qui est censé aussi relancer à un moment donné si tu vois que ses joueurs ne sont pas là. C'est lui qui est censé dire à un moment donné, les gars, on se bouge le cul. Tu vois très bien que lui, ce qu'il fait, après le but, il s'assoit. Il y a 2 mois, il n'aurait jamais fait ça, hein, Albert Riera. Il n'aurait jamais fait ça. Il est pris aussi dans la nage. Mais peut-être. Mais déjà avant quand, hein. Mais déjà avant quand, on l'avait dit, hein, que Riera. Tout le monde à la tête dans le saut, Girondin de Bordeaux. Tout le monde. Tout le monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Caen. C'était une parenthèse enchantée. À Caen, je ne sais pas, on y allait sans nos supporters, etc. Tout. Du coup, on était un petit peu livrés à nous-mêmes. Ça s'est plutôt bien passé pour l'équipe. L'équipe a été solidaire, bizarrement, à ce moment-là. Par contre, dès qu'on est chez nous, là, depuis quelques matchs, tout le monde a la tête baissée. Tout le monde baisse la tête. Personne n'a envie d'être là. Alors que c'était l'inverse sur les 2 premiers mois de l'année. C'est là où il n'y a aucune cohérence. C'est aucune, ça, on est d'accord. Aucun suivi. Les supporters, joueurs, staff, tout le monde tire la gueule quand tu vas au stade. Et encore, Joe, encore une fois. Et je me permets de le dire encore plus cette semaine parce qu'on aurait pu se dire la semaine dernière une ultime fois, est-ce que c'est pas le début d'une dynamique, etc. Non. On le dit c'était... plus. Ça. Non, mais dans le sens, tu peux toujours te dire peut-être que l'équipe va être plus solide, qu'elle va se capitaliser sur ce match, qui va servir de sorte de match référence pour être tranquille et assurer ton maintien, et que tu vas voir contre Bastia une équipe qui va un peu ressembler à ça, peu importe l'adversité, etc. C'est pas ce qu'on a vu. Et je vais même plus loin. C'est qu'aujourd'hui, le match de Caen, c'est un épiphénomène dans une série de rencontres PFC, Bastia, Annecy, où clairement n'importe qui en Ligue 1, et il y a, oui, on parle des équipes de derrière, mais là, ça concerne aussi les équipes de devant, arrive à nous ouvrir en 8 sans problème. Et c'est là où c'est beaucoup plus problématique. C'est là où, effectivement, pour moi, c'est signe de que quelque chose est en train de se fracasser. À tous les niveaux. Donc le vrai problème, il est là pour moi. Et tout à l'heure, moi je disais, je mets Barbé à Saint-Té, pourquoi? Pas parce qu'avec Barbé, on en prendra moins qu'avec Angeli. Je rejoins, je sais plus, c'est Gino ou Joe, c'est Joe qui l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense que tu mets n'importe quelle équipe, si elle doit prendre 5-0, elle prendra 5-0. Mais je préfère que Barbé prenne le 5-0 à 31 ans, qu'Angeli à 16 ans, et que le mec derrière, tu vois ce que je veux dire? Il s'en remettra. Mais là aussi, Nico, c'est de la gestion de jeunes, essayons. Tu vas peut-être encore une fois l'an prochain, Angeli, l'an prochain, il sera peut-être titulaire indiscutable. Il ne fait même pas ses devoirs maison. C'est même pas lui qui peut signer ses chèques aujourd'hui. Il va peut-être être titulaire indiscutable dans 3 mois. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je lui souhaite que du bonheur dans sa carrière, ce jeune garçon. Non, qui m'a l'air intéressant. Mais voilà, j'ai pas envie que ce mec-là soit plombé par la fin de saison bordelaise et par le manque de gestion actuelle dès ses 2 premiers matchs en Ligue 2. Bon. Très bien, bon, on a ouvert le débat. On pourrait le continuer, hein, le débat sur Barbé encore. Hein, mais on va sur la profondeur. Je m'en rappelle, en septembre 2022, on avait déjà compris qu'il ne gérait pas la profondeur. Et c'est là où Guillaume peut-être jouait bloc bas avec lui et qu'il ne prenait pas de risque parce qu'il savait que Barbé, la profondeur, il ne la gère pas. Voilà. Oui, ou on en prenait un peu plus parce qu'il avait quelqu'un d'autre à côté aussi, il faut le dire. Bah oui. Oui, et l'équipe était organisée. Les joueurs étaient complémentaires à ce moment-là. C'était plus équilibré quand même. Voilà, on était beaucoup plus équilibré. Oui, bien sûr. Même au milieu, c'était plus. Voilà. Oui, non, quand même. Thomas. C'est pas flamboyant, ça. C'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est parce qu'on n'était pas flamboyant. On était plus solide et plus organisé quand même. Non, mais moi, je suis limité, oui. Là, t'as raison. C'est très loin de ce débat aujourd'hui. On va pas commencer à se prendre la tête pour savoir si on avait raison ou pas sur Guillaume. C'est le dernier débat. Mais juste, par contre, je trouve quand même qu'à l'époque, déjà, et c'est là où je rejoins un peu ce que disait Nico mi-septembre, c'est que mi-septembre, Guillaume est encore là, et on avait déjà les mêmes problèmes sur la profondeur. Le match d'Auxerre, on se prend 3 buts comme ça, notamment. Donc en fait, j'ai vraiment le sentiment, c'est pas pour remettre une pièce dans la machine et servir mon discours, mais j'ai vraiment le sentiment que malgré, sur le papier, que l'effectif était très correctement construit, la construction en elle-même, techniquement de l'effectif et sportivement, elle est dramatique. Parce qu'on a le même problème depuis qu'à Pau, on s'est pris en 25 minutes 2 buts. Voilà. Il y avait un autre message, Thomas. Ah, mais c'est à moi de parler. Ah oui, c'est ça. Il était parti. Il est dans le c'est pas très bien manger. Il a la cuisiner là. Il a le réchaud à côté, tu sais. Il a le réchaud à gaz. C'est bon, Thomas, c'est bon. C'est bon, vous êtes là. C'est bon, je peux parler. Ah, merci.
Non, mais maintenant, Thomas, il fait aussi les lives sur d'autres équipes, parce qu'il s'est dit, c'est bon, ça va disparaître dans 3 mois. Donc, ouais, voilà, oui, c'est bon. Je suis en train de Mercato, là, je suis en train de chercher mon club. Là. On fera le live, mais en Ligue 1, on le fera. Bergerac, elle fait des émissions. Oh, vas-y, je suis allé être le créateur là-bas. Bon, sinon, j'ai Joël qui m'a dit, ça ressemble un peu au match de Pau, avec de l'envie de bien faire pour Bordeaux et pas du tout de chance. Et la baraka pour l'adversaire. L'envie de c'est son analyse. Là, la chance, c'est pas vraiment de la chance, j'ai pu comprendre. C'est pas une question de chance ou pas. Ouais. Contre Pau, quand même, je trouvais que dans le jeu, il y avait quand même quelque chose de plus intéressant, quand même, que sur ce match-là. Franchement. Mais après, c'est plus pour moi le copier-coller du Paris FC. J'ai la sensation oui, de pas la deuxième mi-temps, hein, voilà. Parce qu'en deuxième mi-temps, ça. T'es très en dedans. À part le premier but. Tu prends que deux buts en première mi-temps, t'en prends pas toi aussi. Donc, mais tu réagis. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, en deuxième mi-temps, t'es très peu. Offensif et voire inoffensif sur tes occasions, à part celle de Vipotnik quand Michelin tape un peu. Voilà. Non, mais t'as donc, pas joué pendant 55 minutes, les gars. Comment on peut avoir, excusez-moi, mais là, moi, entre le message que je viens de voir, cette équipe a été menée 3-0, elle a pas joué pendant 55 minutes à 3-2. On parle encore de chance de l'adversaire, on se fait ouvrir par Christophe Vincent. Ce mec-là, j'ai découvert qu'il joue au foot samedi. Pas confrère avec David Vincent. Non, voilà, mais ce mec-là, j'ai rien contre lui, hein. Mais tu me dis que c'est la doublure de Gaston Bide en validé, je te crois. Donc à un moment donné. Non, mais on a ce qu'on mérite. Allez. À un moment donné, s'il y en a qui arrivent encore à dire que c'est un manque de chance ou qu'on a bien joué, faut gifler un peu là. Les chiffres. Bordeaux 2. Bastia 3. La colonne de gauche, quand c'est en bleu ou en vert, je ne sais pas si c'est du bleu ou du vert, fluo, ça veut dire que Bordeaux a l'avantage sur ce secteur. Donc on voit que Bordeaux s'est créé plus d'occasions, mais pas tant que ça. Mais, et que Bastia n'a pas gâché une seule occasion. 100% de réussite pour Bastia. Ouais. Ah, oui. Et on a été présent partout, sauf dans la finition, en fait. Et malgré la domination, possession 77%, quoi, c'est un truc de malade. Et malgré tout, Bordeaux n'a pas marqué plus de 2 buts et n'a pas créé beaucoup d'occasions de qualité. Mais les bases occasions bastiaises. C'est l'adversaire. Voilà. Non, voilà. Mais donc, mais. Ça n'existe jamais, c'est normalement, Nico. Hein. Ce qu'on voit là, la feuille que tu viens de nous mettre, incroyable. Normalement, quand tu as toutes ces stats-là, le score qui est en haut, c'est. Tu montes ça à un mec qui fait de la boxe. C'est tu ça. Tu montes ça à un mec qui fait de la boxe, il dit merde, en fait, t'as pris un KO tout seul dans le dernier round, quoi. Et on voit les expected points, c'est, vous savez, ils calculent, ils répartissent en gros les 3 points. Statistiquement, ça fait environ 3 points, pas tout à fait, entre les deux équipes, et on voit que c'est largement en faveur des Girondins. Voilà, c'est une sous-performance totale de Bordeaux. Bordeaux est en sous-performance. Dans les deux surfaces. Dans les deux surfaces. Voilà. On voit le classement, je montre le classement tout de suite. Donc on voit que Bordeaux, malgré tout, ne perd pas son avance sur 3 qui est 17e puisque 3 à 35 points et Bordeaux 41 points. Merci David Guillon. Tu vois qu'il a fait Bastia 40 points, Annecy a encore fait un bon résultat 39 points et Dunkerque 38 points. Donc la bataille va être rude. On voit que Dunkerque a quand même un gros déficit de différence de but à moins 14, ça lui fait comme un point en moins hein, Dunkerque. Non mais ils ont calé aussi là, ça fait 2 matchs je crois qu'ils ont perdu. Vas-y Gino. Non, c'est fou parce que tu dis si tu fais ton boulot en fait, si tu gagnes ce match, le maintien c'est fini parce que tu as 3 matchs d'avance. Enfin, 3 matchs d'avance, c'est énorme. Enfin, je sais pas si on se rend compte de. Et là, Gino, tu sais ce qui va se passer. La 38e journée, le 16e ce sera Bordeaux, le 17e ce sera 3, il y aura 2 points d'écart. Et alors là, je peux vous dire. Mais c'est une vraie option. C'est une vraie option qui est sur la table, t'as raison. Je peux vous dire qu'à Pellegrin, ils vont bosser. Hein. Non, mais on espère qu'on va pas en arriver là. Non, mais il faut pas en arriver là. Mais c'est réaliste, quelque part, parce que c'est très bien qu'on peut aller vers ce scénario. Avec eux, rien n'est écrit. Hein. Et alors, si on n'est pas sauvé. Bien plus. Oh là là, mon Dieu, non. Non, bon, on n'est pas là, mais c'est vrai qu'il y a le match. On a très bien. C'est un peu imprévisible, cette Ligue 2. Même si Bordeaux, tu vois, la victoire à Caen, on ne la pressentait pas. Personne ne l'avait pressentie. Non, mais je suis persuadé qu'à cet été, le match de Bordeaux sera un peu plus cohérent. Déjà. J'en suis persuadé. N'empêche, ça pourrait être pas mal si la dernière journée, c'est le scénario que j'évoque et que 3 nous passe devant. Ça veut dire que David Guillon aura fait descendre 3 divisions à Bordeaux avec Gérard Lopez. Saint-Étienne, le 20 avril. Dunkerque, le 23. Donc, on joue samedi et on rejoue mardi. Et ensuite, on rejoue le samedi à Laval. Donc là, on aura 3 matchs en 7 jours. Donc, on va voir aussi les organismes, s'il y a des retours de blessures.
Il va falloir aussi gérer l'effectif pour Bordeaux. Et il ne pleut pas pendant 10 jours. Donc, la pelouse ne sera pas arrosée au centre d'entraînement du Haillan. Donc, attention. À moins que la pompe soit réparée entre-temps. Après, oui. Ils ont payé les factures, Nico, apparemment. Donc, bon. Bon, peut-être la pompe va être réparée. Faut l'espérer. Parce que là, attention. Hein, parce que s'entraîner sur un sol dur, c'est pas l'idée. Tant mieux, parce que s'il y avait des inondations, on n'a pas de papier toilette pour éponger. Donc, tant mieux. Ouais, bon. Donc, voilà pour ça. Pour ce match, est-ce que on a fait le tour, hein, on ne va pas extrapoler pendant. Non, le match est raté. Le match est raté. J'avais quelques petites infos en bref. 6 buts, hein, quand même, que Bastia nous a mis cette année. 6 buts, ils ont marqué 34 buts en Ligue 2, ils ont mis 6 buts, 15% de leurs buts. Et surtout quand Étienne nous parlait de Bastia, on a très bien vu que même lui n'était pas du tout confiant de son déplacement à Bordeaux. En bref, je ne sais pas si. En bref, Lamine Sané a eu son diplôme BEF. Ça veut dire qu'il peut s'entraîner entraîner jusqu'en national. Eh bien, c'est bien. ou une des deux féminines, j'ai regardé. Donc, je rappelle qu'il entraîne. T'as vu les circonstances des choses, c'est bien. Je rappelle. Parfois, la vie t'envoie des messages. Oh là là. Je rappelle qu'il peut aussi entraîner une des deux féminines et qu'il entraîne au FC Libourne, l'équipe qui est en régional 1 ou 2. Je ne sais plus, je crois que c'est en régional 2. Et qui monte ce week-end, je crois. Et on a aussi une information, alors je l'ai mis dans le en bref, mais on aura le temps de le développer beaucoup plus tard dans d'autres émissions, puisqu'il reste de nombreuses semaines avant la DNCG, c'est que Bordeaux, selon Sud-Ouest, devrait afficher un déficit à la fin de la saison proche des 50 millions d'euros. Alors là, un chiffre énorme. Par exemple, si on prend les chiffres de la saison 2022-2023, Bordeaux serait dans le top 3 des plus gros déficits de Ligue 1. Puisqu'on n'a pas les chiffres cette année. Donc, avec ces 50 millions d'euros, donc, on ne sait pas d'où ça sort. On pensait que le club avait été restructuré financièrement, mais voilà, on apprend ça. C'est fou. Le club le plus sain d'Europe, c'est magnifique. C'est fou. Donc voilà, ça, c'était l'info d'aujourd'hui, mais on aura le temps, quand ça sera un peu plus clair, d'en parler. David Guzman viendra. Oui. Non, mais voilà, effectivement, lisez l'article, écoutez la vidéo de Molina. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment se dire qu'on en veut à Bordeaux. Écoutez. Ça évitera qu'après, on se retrouve dès lundi soir à avoir des guignols qui nous font des vidéos dans les chiottes du Matmut pour nous dire « Ah ben non, vous voyez, c'est du PQ !» Voilà, ça nous évitera d'avoir tous ces débiles-là encore qui gravitent autour du club. Le stade n'appartient pas au club, ça. C'est justement pour ça que je me dis que en plus déjà d'avoir l'idée quand tu as 40 ans de faire cette vidéo, en plus… Après, Samuel, on peut se mettre de l'autre côté. Lui, il a l'impression, entre guillemets, de défendre son club, je pense, quand il fait ça. Après, on peut aimer ou ne pas aimer la vidéo. Des défenseurs aussi mauvais, on en a déjà sur le terrain. Donc, malheureusement, on peut aussi… voilà. Donc voilà, c'était les petites infos en bref. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Voilà, mais lui couper le forfait aussi. On va passer au troisième thème. Non, c'est le moment de gagner les places. Je vous fais gagner des places. Alors, si vous avez envie d'aller voir jouer les Girondins, hein, c'est maintenant. Après tout ce qu'on vient de dire, tout ce que vous avez entendu, vous devez vraiment avoir envie d'y aller. J'y serai aussi. Donc, je dis ça, mais je viendrai quand même pour le sportif. Pour Dunkerque, bien. Ouais. 10 places à gagner pour Bordeaux-Dunkerque, offertes par le château Enclos au Mazères. C'est Web Girondin qui fait gagner 5 lots de 2 places pour assister au match. Sont éligibles les sociaux de Web Girondin. Donc, si vous n'êtes pas sociaux, vous pouvez le devenir et participer au jeu. Mais si vous n'avez pas l'intention de devenir sociaux, c'est pas la peine de participer. Il faut envoyer un SMS au 06 61 30 39 67 avec votre prénom plus votre mail d'abonné. Et vous enverrai les 2 places. Voilà. Que vous soyez sociaux sur Tipeee ou sur le site, on vous fait gagner 5 fois 2 places. Donc, les 5 plus rapides gagnent. D'ailleurs, il y a une belle faute après vérification du mail abonné. Ouais, je viens de voir la faute, là, c'est pas beau. Donc, 06 61 30 39 67, les 5 plus rapides gagnent avec ENT à la fin. Voilà. Vous pouvez passer un bon moment. Vous êtes dissipés ce soir. Si on parle tous en même temps, ça doit être désagréable à écouter. Envoyez, voilà, vos SMS, voilà, envoyez-les. Voilà, j'attends. Donc, j'en ai déjà reçu. Et ben voilà. J'en ai déjà reçu. Donc, allez-y, j'en ai reçu un. Après, il y a vérification. Hein. Je vérifie si vous êtes sociaux ou pas. Hein. Donc, allez-y. 2 places. C'est Virage Nord, les places. Je vous l'ai dit. C'est Virage Nord. Voilà. Et merci à notre ami Johan pour les places. Et on remercie le château Enclos au Mazères. Vous verrez, c'est sympa. Donc, voilà, messieurs. Bon.
On continue cette émission, 20h37. Quel est le fil de l'émission? Je le reprends. Voilà. Ah oui, encore un, est-ce qu'on s'appelle ou pas? Un sujet très positif. Est-ce que Bordeaux manque d'humilité? Les Girondins manquent-ils d'humilité? Pourquoi ce thème? Puisque vous avez vu à la fin du match, bon, la réaction notamment de Clément Michelin, je vais vous la lire tout de suite, et vous avez vu la réaction du coach, je vais vous la lire également, donc je vais afficher les deux ici, hop, et on va les lire, vous allez voir. Première réaction, Clément Michelin au micro de Bein, alors de, c'était pas Bein Sports, c'était Prime, je crois. Prime, ouais. Ouais. Si on avait joué, et il dit, je cite, si on avait joué comme en deuxième mi-temps avec l'agressivité en les poussant, ça aurait fait, je pense, la différence. Donc c'est très frustrant parce qu'on est totalement supérieur. On se prépare de la même façon. On a pour objectif de gagner tous les matchs à chaque fois. On se déchire à l'entraînement. Donc on va faire pareil. On va continuer à se déchirer à l'entraînement. Et j'ai noté, il a dit, c'est très frustrant parce qu'on était totalement supérieur. Et j'ai retrouvé une déclaration de Michelin après le match à 3. Il avait dit un peu quelque chose dans le même style. Il avait dit à la fin, dans le foot, peu importe combien de frappes et de passes on a fait, ce sont les 3 points qui comptent, mais c'est difficile à dégérer quand tu es meilleur que l'adversaire, même à 10. Il avait dit après 3. On est souvent meilleur. Moins, c'est bien. Et on a eu une autre réaction d'Albert Hira qui est un peu dans le style différent, qui concernait pas du tout le match, mais sa personne à lui. Voilà, ça le conseil. Alors, même s'il a dit que c'était catastrophique le match et qu'il n'était pas content, mais il nous a fait une petite déclaration sur lui. C'est important. Il parle de lui, il a besoin de parler de lui. En tout cas, il voulait corriger ce qui avait été dit par Clément Carpentier, journaliste de France Bleu, qui n'était pas présent dans la conférence de presse à ce moment-là. Il a dit cette semaine, Clément Carpentier a dit que c'est le club qui me dit comment communiquer. Personne ne me dit comment communiquer. Je suis adulte pour parler. Personne ne me dit ce que je dois dire. Je suis le seul à savoir ce que je dois dire. Je suis très honnête, peut-être trop. J'aime pas. Ce n'est pas mon problème. Monsieur Carpentier assure des choses qui ne sont pas vraies, car personne ne doit me dire ce que je dis. Si un jour le club me dicte ce que je dois dire, je pars d'ici. Si on n'aime pas ma communication, il y a un président qui décide. Et donc ensuite, on a eu une réaction suite à ces deux déclarations de Ludovic Obraniak notamment, qui a dit, qui réagissait, qui est consultant pour Prime Vidéo, donc sur Prime, et qui a coupé la parole au présentateur, et qui a dit, moi ça m'énerve d'entendre ça. Et qui est sorti de ses gonds un peu, il dit ça m'énerve que Bordeaux fasse un peu preuve d'humilité parce qu'il ne comprenait pas que le joueur bordelais réagisse ça. Quoi. Ils ont perdu 3-2, il a dit Bordeaux n'a rien montré en deuxième mi-temps. Au lieu de dire ça, dire qu'elle a été supérieure, non, il n'a pas été supérieur, qu'il fasse un peu preuve d'humilité dans sa préparation des matchs. Et il y a eu une autre réaction d'un entraîneur, alors c'est un bordelais, Julien Maître, qui a entraîné Djibouti, notamment la sélection, je ne sais pas si vous connaissez, qui est consultant aussi sur RMC Sport. Et il voit la réaction de Michelin, il a fait un post sur X, il a dit « Des joueurs au cerveau lavé par un discours insupportable. Heureusement que Ludo Obraniak rétablit la réalité. Il y a dans cette analyse d'après-match toutes les explications de la situation sportive de cette équipe. » Messieurs, voilà le contexte. J'ai tout cité, ou presque. Qu'est-ce qu'en pensez-vous? Est-ce que Bordeaux manque d'humilité? Joe? Oh ben oui, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est... Les discours de la direction, du coach et les joueurs, entre guillemets, suivent un petit peu ce discours-là parce que c'est la communication du club. On sait que dans ce club, tout est un petit peu travaillé à ce niveau-là, mais mal travaillé. Mais quand tu entends encore qu'on est supérieur aux autres, mais comment tu peux oser dire ça? C'est pas possible d'entendre ça après un match pareil. Je suis désolé. Au pire des cas, tu as été bon. Allez, si tu veux un quart d'heure sur ton match, si tu veux, mais et encore, je sais pas, parce que je suis gentil, que j'ai pas envie de t'enfoncer, mais. En fait, t'as l'impression que j'ai l'impression d'entendre des mecs qui sont pas peints jusqu'au plafond. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, c'est totalement déconnecté de la réalité. Et quand t'as Hira qui dit personne me dit ce que je dois dire, t'as l'impression que c'est un adolescent qui a été, tu vois, qui a été contrarié et qui te dit en gros, hey, papa, t'es pas, c'est moi qui décide, c'est pas toi, papa. Alors que le gamin, tu vois, il a 16 ans. C'est dans la lignée de tout ce qu'on voit depuis 2-3 ans. C'est catastrophique, y a rien qui va, l'image, elle est déplorable. Et encore une fois, moi, je me retrouve pas dans ce club, dans les discours et dans ce que je vois sur le terrain, de toute façon, et dans tout ce qui est dit et tout ce qui est fait, de toute façon. Donc, en fait, d'en parler, ça m'agace, mais en fait, je me rends compte que quand je l'ai lu, ça m'a même pas choqué, ça m'a pas tilté, je me suis juste dit, bon, comme d'habitude, c'est des mecs, ils ont,
ça n'a ni queue ni tête, c'est ridicule. Ils se ridiculisent encore plus. Jack sur le terrain, ils ne sont pas fameux, mais alors là, un tas de choses. C'est le bébé de chaud, c'est les guignols, c'est tout ce que tu veux. C'est, voilà. Mais en tout cas, on peut se taper à des barres de rire si on n'était pas supporter du Girondins de Bordeaux, ça c'est sûr. Et on voit qu'ils ont un peu. Et ce qui est frappant, c'est le discours de Michelin calqué un peu sur le discours de Rira, tu vois. Peut-être sur le. Et on voit que c'est frappant quand même énormément, Gino. On voit dans on est supérieur, dans la possession. Oui, oui. Comme si avoir la possession, c'est supérieur. Et c'est ce que dit Julien Mette dans son poste. Il dit ils se sont fait laver le cerveau, c'est pas possible. Ouais, moi, je suis pas d'accord. Je te le dirai après. Pour se faire Rira, et c'est, ça m'étonne pas de dire. Il y a une part de vérité dans ce que dit Julien Mette. Ça, c'est vrai. C'est un peu l'extrémisme du discours Rira qui, je pense, pourrait être bénéfique à l'équipe sur plein de choses, mais pas dans ces moments-là où tu as besoin, justement, un peu de te centrer sur toi et de ne pas dire on est les plus grands, on est les plus forts, quand tu n'as en plus aucun résultat, ou presque. Donc là, c'est l'extrême de la méthode, hein, quelque part. Et c'est là où il faut... Je pense des contrepoids, on en a parlé ces dernières semaines. Et c'est dommage qu'on aille dans ces extrêmes-là. Et Michelin, tu l'as bien fait remarquer, Nico, c'est pas la première fois qu'il le dit. C'est pas la première fois en interview de mi-temps qu'il a ces mêmes mots et qu'on dit « Oula, ça le fait pas là, Clément ». Et Rira est totalement fautif sur ça, clairement. C'est lui le responsable. Il dit « Je suis le premier responsable ». Eh bien, tu es responsable d'influer comme ça sur tes joueurs. Et de ne pas les remettre en place quand ils doivent être remis en place. Sur le deuxième sujet de Clément Carpentier, ça n'a rien à voir pour moi. Pourquoi ? Parce que Rira, il est ce qu'il est, et on l'allume à juste titre, mais ce qu'il dit, à mon sens, ça n'a rien à voir avec la direction, parce que c'est son tempérament qui est comme ça, et je pense que... C'est pas un manque d'humilité ? Il parle encore de lui, je veux dire, c'est pas le sujet, lui, est-ce qu'on lui dit ? Il répond à un journaliste qui dit. Il répond pas, le journaliste n'est pas là. Il peut aller voir. Il est devant les caméras. Ce n'est pas un panthère. Rira, on peut le critiquer. Si Clément Carpentier fait un article sur Rira qui est logique, qui est lucide sur son travail et autres, il n'y a rien à dire. Mais qu'on dise Albert Rira, par exemple, répète ce que dit la direction, moi je n'y crois pas parce que ce n'est pas le personnage Rira. Ce n'est pas le personnage. Pour moi. Après, Gino, moi, je ne veux pas défendre Clément, mais quand je vois la conf de Rira, la dernière où j'étais il y a 10 jours avant Caen, c'est vrai que le discours, quand même, qui est. Enfin, moi, le discours m'avait choqué. Je vous l'avais dit, hein, d'ailleurs, que ce n'était pas le même Rira quand on lui parlait de son avenir, etc. Donc, sur ça, mais à la limite, moi, ça m'intéresse peu ce sujet, mais je ne sais pas si. Enfin, dire quelque part que Rira est en train d'adopter le style un peu défaitiste qui existe et qui persiste dans ce club, voilà, tu vois ce que je veux dire, ça me choque pas tant que ça. Et je peux comprendre que Rira veuille répondre, mais là où je suis d'accord avec Nico, c'est que c'est pas le lieu. Là où moi je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est que pour moi c'est une erreur de dire c'est Rira qui a initié ces joueurs, parce que les joueurs ils sont comme nous, ils les voient les confs de presse. Il y a des joueurs qui ont dû trouver Albert Rira ridicule après certaines défaites où il expliquait que Bordeaux aurait... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous et je trouve même que ce serait trop facile de se dire « Ouais, c'est Rira qui a rendu nos joueurs arrogants. » Nos joueurs arrogants, ils le sont depuis longtemps. Un Clément Michelin, qu'est-ce qui lui permet d'être arrogant aujourd'hui ? Parce que Clément Michelin, il est passé sous les radars cette saison. Pourquoi ? Parce que dans un début de saison catastrophique avec 10 matchs sous Guillon, ça a été le seul à performer à peu près sur 3-4 matchs. Mais depuis, Clément Michelin, c'est quoi cette saison ? C'est une saison qui est aussi mauvaise, voire pire que l'an dernier. Vous avez un bon match de Clément Michelin depuis les 5-6 premières journées ? Est-ce que vous en avez un en tête ? Un match où vous êtes dit, Michelin, il a été excellent. Comme vous avez pu vous dire contre Concarneau, comme vous avez pu vous dire contre Pau avec toutes les balles qu'il avait données, comme on a pu se dire sur Auxerre où c'est le seul à se battre, est-ce que vous avez un match de Clément Michelin qui est bon depuis la 6e ou la 7e journée ? Je réponds à votre place, non, vous n'en avez pas, je le vois à vos yeux, vous êtes en train de chercher. Et non, mais je vois, vous m'aurez interrompu avec grand plaisir si vous m'avez dit, ben non, Sam, quand même, contre si. Il est catastrophique, Clément Michelin. Il a fait une saison l'an dernier qui est ignoble. Il a été l'an dernier sur le banc, mis sur le banc par un mec qui n'était même pas titulaire en national en défense centrale et qui a fait largement mieux que lui toute la saison. Et ce mec-là, déjà l'an dernier, 2-3 fois dans des interviews, il a été un peu arrogant. Il a été un peu « ouais, Bordeaux, machin, etc. Ils vont voir de quoi je suis capable et tout. » Et là, il continue après les matchs à nous dire ça. Donc, c'est Parira qui a rendu Michelin arrogant et d'autres joueurs qui le sont. C'est ces mecs-là qui sont arrogants et qui, sur le terrain, ne branlent rien depuis 11 mois et font des saisons catastrophiques. Parce qu'encore une fois, moi, je suis le premier. Lopez, je lui en mets dans la tronche tous les jours. Admar Lopez, j'en parle même pas. Jacques Mier, la direction, le coach, l'ancien coach. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de personnes dans ce club
que je critique à juste titre, hein, les résultats sont là pour ça, mais il y a aussi pas mal de joueurs que je trouve très très prétentieux dans cette équipe, très très égocentriques, qui ont une grosse opinion d'eux-mêmes, mais qui pourtant sur le terrain sont gaises et n'ont pas plus de 3 bons matchs avec les Girondins. Donc moi, la seule chose que j'ai à dire à Clément Michelin, si déjà il s'est senti supérieur pendant 50 minutes, ben refais-toi la vidéo, mon copain, et regarde ton match surtout, regarde tes centres éclatés à chaque fois. Regarde bien, parce que c'est bien beau, oui, ah, sur une demi-déviation, tu as failli marquer sur Vipotnik. Ouais, mais tu comprends pas, ça, toi, tu n'es pas joueur de foot, il va te dire, tu comprends. Ouais, pas. Ouais, je ne suis pas joueur de foot. Ben, si on se met dans une pièce pendant 20 minutes, on regarde toutes les actions depuis qu'il est à Bordeaux, je ne suis peut-être pas joueur de foot, il va m'expliquer pourquoi il est aussi éclaté. Donc, au lieu de Clément Michelin d'arriver en conférence de presse et d'être aussi hautain, tu arrives, tu t'excuses déjà. Parce que sur le blason, là, tu as une vraie équipe ici. T'es pas à Toulouse ou à Lens, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui sont des immenses clubs. Là, t'es au Girondins de Bordeaux, que t'es en train de couler en national, mon pote. Donc déjà, quand t'arrives, déjà, t'as du respect à avoir pour les gens que tu déçois tous les samedis depuis 2 ans. Parce que t'es nul depuis 2 ans. T'as fait une saison cataclysmique l'an dernier et que cette année, t'es un des piliers de l'équipe. T'es un des piliers de l'équipe qui n'est pas maintenu à la 32e journée de Ligue 2. Donc, toi et tous les autres qui ont envie d'être arrogants dans ce club aujourd'hui, qui arrive encore à bomber le torse devant les journalistes ou à bomber le torse devant les adversaires, un petit conseil, fermez-la jusqu'à la 38e. Maintenez-vous et après, on verra si vous restez ou pas, mais fermez-la. Et surtout, arrêtez d'être arrogant avec qui que ce soit, parce qu'aujourd'hui, vous avez prouvé que vous êtes certainement le pire collectif de Ligue 2. Le pire collectif de Ligue 2. Donc, par rapport à ça, que ce soit l'entraîneur ou les joueurs, taisez-vous à la fin du match. Juste excusez-vous pour les milliers de supporters qui se déplacent et que vous décevez. Mais arrêtez un tout petit peu d'être hautain, parce que s'il faut vous rappeler que vous êtes des joueurs, un staff, un entraîneur qui cette année produisent un travail explosé, éclaté au sol, on va vous le faire et avec des mots et un ton qui ne va pas vous plaire. Merci, au revoir. Allez, un petit peu de musique. Il est 20h49, vous êtes sur Web Girondin TV. Vous êtes en pleine thérapie. Installez-vous. C'était Samuel Vasselin. Le coup de gueule de Samuel Vasselin. Au troisième top, il sera 20h50. Non, parce que, non, mais alors, Nico, j'ai pas vu la vie de. J'ai pas vu ce qu'il a dit Michelin après le match. Parce que, comme Joe a dit, après le match, je coupe. Et là, quand j'ai vu ça tout à l'heure, franchement, je me suis dit, mais il se prend pour qui ce mec? Il se prend pour qui? Globalement, tu as raison quand même dans ton avis. Donc, je me permets de lui rappeler qu'il n'est rien. Encore plus, c'est la musique. Ça lui ferait du bien de l'entendre. Je pense que s'il l'a entendu, ça serait bien d'ailleurs. Oui. Parce que comme pour son autocritique personnelle, Clément Michelin, est-ce qu'il l'amène dans son comportement? Je pense qu'il n'est pas lucide sur ce qui se passe pour lui. C'est ça. Girondin depuis qu'il est arrivé. Enoch Kouateng, Youssouf Sabali, Malcolm Bokele. Je ne cite pas des monstres, hein. Je ne cite pas Cafu, Dani Alves et Lilian Thuram. Là. Ben, ces 3 mecs-là ont fait un meilleur passage au Girondin de Bordeaux que Clément Michelin. J'ai plus de bons matchs d'Enoch Kouateng à Bordeaux que Clément Michelin. Je ne parle même pas de Sabali et Bokele. Samuel, tu t'enflammes. Je vais vous donner. Franchement, Sam, après, tu n'en prends pas trop non plus à Clément Michelin. C'est quand même un discours très formaté. Tu vois très bien que ce n'est pas le seul à être hautain dans le club. Ben oui, justement, mais c'est pour ça que je. Donc voilà, donc après, il est dans la lignée de tout ce qui se dit depuis 3 ans, en fait. Il n'y a pas que Michelin qui est arrogant, tu as bien raison de le dire. Mais voilà, donc. Ah ouais, mais ça vaut pour lui et pour tous ces mecs-là. On a perdu tout le monde. Non, mais ça vaut pour lui et tous ces mecs-là qui ont l'impression d'être l'élite de la Ligue 2, alors que c'est la pire équipe, encore une fois. Mais parce qu'on leur fait croire. Il est là, je vois qu'il poste des messages, il est là. Je trouve que c'est pas honnête de penser comme ça, les gars. Bon, Thomas, est-ce qu'il y a des messages à relayer? Non. Non, mais tu les affiches, c'est parfait. Hein. Désolé, j'étais parti, mais j'ai pris le portable pour vérifier si tout se passe bien. Mais bon, quand je suis revenu, j'ai entendu Sam de loin. Voilà, c'est tout ce que j'ai entendu. Même dans le casque, tu l'entendais crier, quoi. Tu sais, mais de loin, je l'entendais. Non, non, la thérapie est trop intense, trop puissante. Maintenant. Thérapie trop puissante, nous dit Greg Lam. Trop puissante, oui. Attendez, on va ralentir un peu, là. Tout le monde s'est exprimé sur ce thème? On va aller en Allemagne. Tout le monde s'est exprimé sur ce thème? Il n'y a pas grand-chose à dire, Nico, c'est quand même trop ridicule de toute façon. C'est encore une énième faute de communication de ce club. Non, mais bon, je l'ai souligné parce que pour une fois, qu'il y a un joueur qui réagit, et je trouve qu'il a réagi à bon escient, Ludovic Obraniak. Donc, je trouvais que c'était quand même, puisqu'on en entend quand même passer après les matchs. Donc, voilà, bon, je trouvais que c'était important de le mettre en place. Et puis voilà,
Donc, en tant que membre du comité 1881, il a. Oui, il viendra nous en parler. Il viendra nous en parler du comité. Il viendra nous en parler. Il viendra nous en parler ici et clarifier les choses. Bon, mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire les places. Combien j'ai reçu de SMS là pour les places? Ah, j'en ai reçu. Il faut que je le vérifie. Vous pouvez encore jouer, je le rappelle, on vous fait gagner. J'en ai reçu 4 messages aussi, c'est 4 sociaux. C'est bon, on fait gagner 5 fois 2 places pour le match Bordeaux-Dunkerque de mardi prochain. 23. Merci Gino de m'aider. Du 23, il faut envoyer un SMS au 06 61 30 39 67 avec votre prénom, plus votre mail d'abonné, Tipeee au site, et je vous envoie ces deux places. C'est grâce au château Enclos, au Mazères. Et je rappelle que si vous souhaitez devenir sociaux, comme on a atteint les 13 000 abonnés, j'espère que vous n'êtes pas désabonné entre-temps, on vous fait 50% de remise sur l'abonnement au WebJourdain si vous souhaitez soutenir et profiter de tous les avantages. C'est le code sociaux 2024, il y a tout le lien sur YouTube. Thomas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe au thème suivant? Je n'ai rien à ajouter. On peut passer au thème suivant. Je ne sais pas, il a un petit sourire là. Je ne sais pas ce qu'il était parti faire. Ah non, j'étais parti. Il y a un truc que j'ai stocké à la porte. Donc tu as reçu un colis. Non. Non, bon. Oh non. Non. Bon. C'est des médicaments contre la gueule de bois. D'accord, bon, je savais pas que ça existait des médicaments contre la gueule. Ah, c'est plus nouveau avec tout ce qui se passe. Ah, bon. Trop de choses à fêter. Bon, trop vite. Bon, d'accord. Bon, allez, n'hésitez pas à liker la vidéo. On a combien de likes là, les amis? On a combien? J'ai même pas regardé le compteur de likes. Putain, j'ai. Allez, likez les abonnés. Non, je suis 40. On est à 200. On avait dit 200 avant 21h. 144. Ah, allez, copains, vous savez que ça nous aide. Si on pouvait arriver aux 200, ça serait top. Allez, on continue. On a fait, en bref, on a fait le manque d'humilité, on a fait les enseignements, on a parlé des féminines, on a vu les stats data Girondins. Et maintenant, on va parler du déplacement des Girondins de Bordeaux dans le chaudron de l'AS Saint-Étienne pour cette 33e journée de Ligue 2. C'est samedi, c'est à 19h. Mm-hmm. C'est télévisé sur Beansport, je crois, si je ne me trompe pas. Et Joe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet adversaire qui a perdu le week-end dernier? Et en ce moment, il y a Angers qui joue. Et si Angers gagne, Angers passe devant la Saint-Étienne. C'est même un nul, ça suffit. Même un nul, il passe devant. Ouais. Donc voilà. Il soit à égalité de points, si je ne dis pas de bêtises, ou à un point. Enfin, en tout cas, il passerait devant. Mm. Donc ouais, ils sont deuxièmes ce soir avant le match d'Angers, du coup avec 54 points cette saison. Donc après un début de saison compliqué suite au départ notamment de Crasso et de Nkunku, Laurent Blatless a remis un peu de l'ordre et a relancé la machine stéphanoise en passant à 4 défenseurs. Ça a suivi une série de 10 matchs sans défaite et une remontée au classement, et il a réussi à ramener l'équipe stéphanoise à la deuxième place du classement. Malgré pas mal de victoires à l'arraché, le niveau n'était pas non plus flamboyant. Malheureusement, après une perte de confiance accompagnée par pas mal de blessures, comme Batobitsika, Larsonneur, quand même des joueurs assez importants dans l'effectif, provoquant une série de 5 défaites d'affilée et donc le départ de Laurent Batless. Arrive ensuite notre ami Dalloglio lors du déplacement à Bordeaux, avec un bilan plutôt convaincant, hein, 15 matchs, 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites, faisant passer la SSE du ventre mou du classement à la deuxième place, avec une moyenne de 2 points par match, ce qui n'est pas négligeable. Donc le profil de l'équipe, c'est que c'est une équipe qui joue, c'est un système en 4-1-4-1 que Olivier Dalloglio a mis en place d'entrée, avec un Tardieu en sentinelle régulateur permettant l'équilibre de ce système. Dalloglio cherche avant tout à avoir une équipe solide, bien en bloc. Il demande à ses joueurs de l'intensité dans les courses, de l'agressivité, de la rigueur ainsi que de la concentration. Un coach dans la philosophie est que les joueurs doivent comprendre la tactique pour comprendre les raisons de leur effort. Il demande d'ailleurs beaucoup d'efforts et de sacrifices à ses milieux et attaquants sur l'aspect défensif de son équipe. Son but premier étant de former un collectif soudé, comme je l'ai dit, ce qui n'empêche pas ce coach d'avoir une philosophie de jeu offensive et une certaine variété dans le jeu, alternant jeu court, jeu long, côté, axial, avec beaucoup de mouvements. Une équipe de possession en général, avec 53% quand même de moyenne cette saison, et qui a une vraie qualité technique, et qui est également une équipe intéressante en transition offensive avec des joueurs qui se projettent vite vers l'avant et en nombre,
ainsi que des transmissions rapides sur une et de touche. Donc c'est une équipe qui a beaucoup de variété dans le jeu, peut-être une équipe qui a le plus de variété dans le jeu avec Auxerre, et j'ai même l'impression qu'ils en ont, ces derniers temps, même plus que l'équipe auxerroise. Donc quelques points forts, c'est quand même déjà un effectif qui est plutôt bien fourni en termes quantitatifs et qualitatifs, avec notamment une vraie colonne de leaders, Larsonneur, Tardieu, Briançon, Sissoko, Cafaro, entre autres, et beaucoup de possibilités dans chaque secteur. Les joueurs sont bien concernés dans l'ensemble, et les absences sont souvent bien compensées par les remplaçants. C'est la meilleure défense de Ligue 2, avec 27 buts encaissés, 3 buts sur les 9 derniers matchs, donc 2 ce week-end. Hein. Donc il y a une petite erreur, une petite anomalie, on va dire, ce week-end. Larsonneur a d'ailleurs été élu joueur du mois de mars du coup par le site Mal Ligue 2. C'est le gardien qui a réalisé le plus de clean sheets cette saison en Ligue 2. Il est quand même bien protégé par sa défense, qui limite son travail, mais il répond présent dès que son équipe a besoin. Les Batubitsika, Perrault, Briançon, Nadé ou encore Apia font une excellente saison et sont montés en puissance. Choudaloglioui, c'était déjà plutôt performant sous Batles, mais sous Daloglio, on a quand même senti une équipe défensivement qui a évolué vers le positif. Et c'est une équipe en plus qui commet peu d'erreurs avec et sans ballon. Et offensivement, même s'ils ont moins, ils ont marqué seulement un but de plus que nous, hein, c'est pas flamboyant pour une équipe qui est deuxième, les Verts ont quand même réussi à trouver des clés pour marquer régulièrement, que ce soit dans le jeu ou ce coup de pied arrêté durant la dernière série de victoires, hein, sur les 7 derniers matchs. C'est une équipe qui est la deuxième meilleure attaque de Ligue 2 sur les 15 derniers matchs, donc ça montre quand même aussi l'évolution par Daloglio. Les recrues Cardona avec 6 buts et 2 passes décisives et Mboukou ne sont pas étrangers à cette réussite, ainsi que le meilleur buteur, bien évidemment, Sissoko. 11 buts qui est très important dans le système offensif des Verts en point de fixation et par sa présence dans les duels et dans la surface. Ils ont en plus une vraie capacité à passer le premier rideau défensif. Leurs sorties de balles avec les décrochages de milieu sont très très intéressantes, bien aidées par leur qualité technique évidemment. Et ça leur permet ensuite de se projeter assez vite vers l'avant en aspirant bien comme il faut l'adversaire, notamment les attaquants et les milieux. Donc ça crée toujours un intervalle ou une possibilité sur les côtés ou en profondeur. Donc c'est très intéressant le travail de possession que pratique du coup l'équipe stéphanoise de Daloglio. Quelques petites faiblesses quand même, ben, les Verts ont du mal dans les duels, surtout quand il y a un petit peu d'intensité physique mis par l'adversaire. Ils ont sensiblement les mêmes statistiques que nous et donc les mêmes difficultés que nous sur cet aspect, notamment dans le cadre des duels aériens. C'est une équipe qui n'a pas pour coutume de récupérer beaucoup de ballons dans leur match, et c'est pas une équipe qui impose un gros pressing à tout va non plus, ou très haut en tout cas. Également, une donnée importante, c'est il y a une grosse interrogation plus sur le côté psychologique dans cette équipe, puisque la SSE n'a jamais remporté un match et n'est revenue qu'une seule fois au score après avoir été menée cette saison. La SSE sous Daloglio n'a jamais été capable de renverser d'ailleurs un match. Donc on sent bien que dès que l'entame de cette équipe est moyenne, ils ont du mal à lancer la machine pendant le match. Donc l'entame du match est quand même primordial pour l'équipe de la SSE. On l'a vu justement ce week-end. Ils étaient quand même sur 4 victoires en 4 matchs, pardon, sans but encaissé. Et 7 victoires sur les 8 derniers matchs avant ce déplacement de ce week-end. La belle série donc, s'est arrêtée pour eux ce week-end, 2-0 à Ajaccio. Et une entame de match fortement ratée sous la chaleur corse. L'une des raisons aussi de ce raté, c'est l'absence de Sissoko au dernier moment, qui a ressenti une pointe derrière la cuisse à l'échauffement. Ajouté à l'absence aussi de joueurs importants comme Briançon, Apia ou encore Wadji, qui est absent depuis plusieurs semaines. Ils n'ont pas été non plus aidés par l'arbitrage, hein, parce qu'ils ont concédé un pénalty pour une main qui est complètement inexistante, qui a permis à Ajaccio d'ouvrir le score. Mais ça n'enlève pas qu'on n'a pas reconnu l'équipe de Saint-Étienne sur la première mi-temps, même s'il y a une petite réaction en seconde mi-temps. C'était trop léger par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir de cette équipe. Deux buts concédés en plus au coup de pied arrêté en première mi-temps. On a senti en difficulté sur le coup de pied arrêté dans la gestion de la profondeur face à Ajaccio. Et en plus, vraiment week-end pourri pour eux. Thomas Mokondu a pris un rouge très sévère à la fin du match. Il sera absent du coup contre nous sur le week-end prochain. 2-3 informations aussi. Ils ont tendance à être plus efficaces et faire la différence en première mi-temps, comme je l'ai dit. Donc attention pour eux à l'entame du match. Et c'est une équipe qui a pris autant de points à domicile qu'à l'extérieur. Voilà. Donc pour conclure, Ajaccio les a bien gênés en première mi-temps en réalisant quand même une bonne entame, en allant chercher haut et en mettant de l'intensité. Les phases de transition offensive ajaxienne ont également permis de faire vaciller un petit peu le bloc stéphanois qui a créé quelques ouvertures qui étaient un petit peu plus un peu plus en difficulté qu'à l'accoutumée, et qui, comme je l'ai dit, qui est quand même bien passé à côté de son match en général.
mais c'est un collectif solide, difficile à bouger et efficace des deux côtés du terrain, avec un coach qui a réussi à créer un vrai esprit de groupe, qui s'est lancé dans une remontée assez folle, hein, vers la montée en Ligue 1, mais qui a marqué quand même un petit coup d'arrêt ce week-end qui n'était pas habituel et qui a peut-être mis un petit coup derrière la tête. Ils ont joué quand même en plus de plusieurs mauvais petits détails en plus le week-end dernier, qui forcément peut faire un peu mal au moral aussi. Donc une réponse est attendue pour eux ce week-end, en sachant que lors de leur dernier coup de mou, ils ont enchaîné deux défaites d'affilée en fin janvier, début février. C'était le seul vrai coup de mou de la part d'Aloglio. Donc attention aussi à ça pour eux. Voilà. Donc comme il va falloir faire une très grosse entame pour nous si on veut vraiment les embêter, être très solide défensivement. On sent bien que c'est une équipe qui, offensivement, a quand même des forces, mais on sent qu'ils peuvent quand même se casser les dents par moment. Donc voilà, il va falloir une équipe très solide, un petit peu à l'image qu'on a vu contre Caen. Si on arrive à reproduire ça, on aura peut-être les possibilités de tenir le choc en première mi-temps. Et au fur et à mesure du match aussi, peut-être effectivement de prendre l'ascendant et de peut-être profiter, on va dire, des espaces et des erreurs qui pourraient être commis au fur et à mesure du match. Voilà. Merci Joe pour cette très bonne présentation. On vous retrouve avant les matchs, 24-48 heures avant, sur Web Girondin, l'avant-match. Quel type de match faut-il s'attendre avec l'analyse de Joe à l'écrit, plus les data Girondins où on compare les stats des deux équipes, les stats avancées. Mmh. Donc c'est assez intéressant, et de les avoir maintenant avant le match, ça nous permet de mieux comprendre avant, et ensuite on a les stats après et on comprend après. Et souvent il y a un lien. Depuis qu'on le fait, on voit que dans les stats d'avant et d'après, il y a un lien. Je précise que l'AS Saint-Etienne a décrété une semaine de huis clos avant le match. Toute la semaine est à huis clos. Je rappelle qu'à Bordeaux, on est à huis clos depuis 4 mois. donc, ce qui montre que la SSE, quand même, prend ce match au sérieux. Mmh. Et est-ce qu'il y aura le déplacement des supporters bordelais, Gino? Non. Demain, la préfecture va interdire le déplacement. Ah, c'est pas encore fait? C'est ce qui se dit, c'est pas encore fait. Ça vient de sortir et c'est relayé par Sud-Ouest, notamment. D'accord. Il doit avoir de bonnes informations. Et... Ça vient de sortir à l'instant. Bon. Ouais, il n'y a pas longtemps, là. Il y a 45 minutes, je crois, Nico. Bon. Bah, force de se taper dessus, c'est sûr que les autres. Tu devais y aller, Gino, peut-être. Ouais, comme d'autres. Et puis, c'est surtout tous les groupes de supporters. Après, ça, oui. Mais c'est quand même affligeant qu'on en arrive là. Alors, après, il y a des responsabilités. Chez les copains avec qui ça se passe toujours bien. Pour... Voilà. En plus, c'est ça. Donc, finalement, tout le monde est puni, mais il y a des actions qui ne sont pas. Qui sont à déplorer quand même. Est-ce qu'on peut en leur vouloir, Gino, aujourd'hui, de vouloir se protéger de toute la sauvagerie qui existe constamment avec autour du stade à Bordeaux notamment, et de dire bon, on n'a pas envie que ça se déplace, malheureusement. Voilà. Moi, je pense qu'il faut prendre des décisions, mais il faut qu'il y ait des gens qui interviennent, parce que en arriver là, c'est quand même catastrophique quand même. Ouais, bon, et il faut faire la part des choses aussi, parce que il y a des groupes qui se déplacent depuis des années et des années, donc. Il faut prendre le problème, je pense, globalement, et qu'il y ait des choses qui soient faites. On verra. On suivra si la préfecture le publie dans les prochains jours. En tout cas, semaine de huis clos à Saint-Etienne. Joe, ton pronostic? J'ai envie de dire match nul, parce que je suis persuadé qu'ils vont encore nous prendre un contre-pied, Girondins, parce qu'à chaque fois qu'on attend un truc, il se passe l'inverse. Donc, j'ai envie de dire match nul. Et surtout qu'il y a quand même grosse interrogation sur Sissoko. Mouconduit qui est absent, suspendu. Briançon et Appia qui peuvent revenir de blessure, mais le match d'Ajaccio quand même, je pense que le huis clos là du coup pour la semaine n'est pas anodin, parce que on a senti quand même une équipe qui a quelque chose qui a fait mal un petit peu au moral de cette équipe, parce que j'ai pas du tout reconnu l'équipe. J'espère pour eux qu'ils vont réagir, parce que je souhaite que Saint-Etienne remonte en Ligue 1 pour eux, mais je me dis que il y a moyen, si on est sérieux nous de notre côté, de les embêter dès le début du match, et plus le match va avancer, plus Saint-Etienne peut quand même se commencer à s'agacer, parce qu'ils n'ont pas l'habitude en ce moment d'être dans des situations un peu complexes. 0-0. C'était Larsonneur le meilleur joueur au match aller. Oui, mais après le match aller, alors il ne faut pas comparer ce qu'on avait au match aller, c'est vraiment. Dalloglio, mais je suis arrivé, il a voulu prendre un point, rassurer un petit peu tout le monde. Mais, nous, c'était pas du tout la même équipe. Ouais. Après, ce que je trouve intéressant dans le collectif, c'est vraiment l'aspect collectif. Si tu as vraiment 20-25 joueurs concernés, dès que les joueurs sont sur le terrain, Dalloglio a réussi à faire en sorte que tout le monde va dans le même sens. Mais sur le dernier match que j'ai vu, j'avoue que j'ai un point d'interrogation qui est apparu pour moi. Mais ils peuvent répondre aussi et nous éclater 4-0. Combien, Joe? Ouais, 0-0, allez. Salut à Guillaume, c'est Cli.
qui est là sur le chat et qui dit 6e déplacement annulé, je suis dégoûté. Alors, ce n'est pas officiel encore au moment où on fait l'émission, non, mais lundi soir. Non, mais ça le sera demain, Nico. Voilà. Pas, voilà. Donc, bon. Monsieur Gino, comment tu sens ce match? Ouais, et... je regardais par rapport au match aller. Oui. Mais ce que disait Joe, ça n'a plus rien à voir. Saint-Etienne n'a plus rien à voir quand même ces derniers temps. Et nous, les trois joueurs qui manquent par rapport au match aller, je me suis refait l'once de départ. C'est quand même plus la même équipe. Ellis, Nsimba, Gregersen. Ah, oui. Je suis désolé, mais bon, c'est pas pareil quoi pour démarrer le match. C'est trois joueurs qui devraient être essentiels nous sur cette saison. Et donc moi, je pense qu'on peut être en difficulté, même si cette équipe, on ne sait jamais ce qu'elle est capable de nous produire. Et on l'a vu à Caen, elle a été capable de nous surprendre. Mais Saint-Etienne, dans cette dynamique, dans ce stade, même s'ils ont eu cette petite défaite contre Ajaccio, ils étaient sur une très belle série. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer faire un bon résultat là-bas, j'avoue. Combien le score, Gino, s'il te plaît? Et si je suis logique avec mon pronostic, j'espère que je me tromperai comme à Caen, mais je vais dire 3-1 pour Saint-Etienne. Tout le monde, rassurez-vous, si vous nous regardez, on ne donne jamais les bons pronostics. Comment on est vraiment mauvais, voilà. Donc ça devrait être pas mal. Vous pouvez être rassurés, si vous avez un pronostic à faire, vous faites un différent de ceux qui sont prononcés dans cette émission. C'est en ce sens-là que ça va vous aider. C'est vrai qu'on ne les lit plus du tout. Non. Compliqué en même temps. Samuel. Ah, tu m'étonnes. Monsieur Vasselin du Club des 5. Moi, je souhaite à nos amis stéphanois de monter et d'être capable de faire ce qu'on n'a pas fait l'an dernier. Donc, je leur souhaite une victoire samedi, battre cette équipe qui, de toute façon, déteste plus Bordeaux que les. Enfin, aime encore moins le club que je pense les joueurs de Saint-Etienne aiment Bordeaux. C'est dire. Donc, 4-0 pour Saint-Etienne, comme ça, au moins. C'est la déprime. Ouais. Bah, écoute, c'est la déprime ou c'est la réalité, malheureusement. On finit par les confondre. Monsieur Thomas. Ton pronostic, il est sur le chat. Sur mon prono, bon, ça va être une défaite 3-1, j'aurais dit. Et dans le chat, j'ai vu quelques matchs nuls. J'ai vu du 0-0, 1-1, 2-2. Un peu d'espoir pour un petit 1-0, ou pire des cas, peut-être même, je crois que c'était Nexus qui avait mis 3-0, parce qu'on peut s'attendre à tout et à rien avec cette équipe. Et sinon, majoritairement, Défaite de partout. Moi, je sais pas quoi pronostiquer. J'avoue que je me trompe à chaque fois. Allez, match nul, un partout. Karim qui nous dit, par exemple, Bordeaux qui gagne 2-1. Karim. Salut Maurice. Salut Mathieu. Nico, t'es un bisounours, tu saoules. Ah, merci Mathieu. Je suis content que tu aies posté ce message. Fan. Mais écoute Mathieu, si t'es pas content, tu t'en vas. C'est aussi simple que ça. Bah attends, pour énervé, Nico. Pour une fois qu'on dit que énervé, Nico. L'incarnation de Rémi Germain serait un bisounours, c'est gentil, hein, parce que d'habitude on dit que. C'est mignon un bisounours en même temps. C'est vrai qu'on est plutôt sympa si on est des bisounours. D'habitude, t'es le mec toujours négatif, t'es le mec qui voulait faire. Arrête de faire le bouffon. Parce que t'es un gros. Voilà. Bon, ben salut Mathieu. Allez, au revoir. Mathieu, content Mathieu d'être passé. Au revoir. Mathieu est plutôt dans l'invective un peu hors durière. Oui, Mathieu est dans l'invective hors durière. À mon avis, tu devrais lui donner deux places pour Bordeaux-Dunkerque. Ah, mais je pense pas qu'il soit sociaux. Je pense pas qu'il soit sociaux, Mathieu. Allez, bon, bah, écoutez, messieurs, on est arrivé au terme de ça cette va être émission, le faux compte d'un de nos amis, ça. Ouais. Moi, je l'ai dit, les gens, montez vos émissions, montez votre média, et puis après, vous pourrez vous exprimer, dire tout ce que vous voulez. Ou si c'est la direction, voilà. Juste prenez soin du club et le reste après, on s'en fout. Et respectez les gens. Voilà. Tout bisous. C'est sûr. Allez, bon, messieurs, on a terminé. Ouais, je pense qu'on est bon. On a tout dit. On se retrouve dans l'émission, prochaine émission dans la semaine. Il y aura un midi 10. Alors, je ne sais pas quel jour il sera. Il y en aura plusieurs. Peut-être mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi. Après, ça dépend de l'actualité. De toute façon, il y aura le débrief à chaud samedi, 21h en direct, avec David Guzman, qui est déjà là. Il a bloqué sa place. C'est le titulaire du débrief à chaud avec les sociaux aussi. On aura l'avis des Verts aussi sur Web Girondin pendant cette semaine. L'avis des Verts et peut-être une vidéo, je ne sais pas, avec Flavien. J'essaye de l'avoir de carton rouge.
On va voir s'il est disponible pour le faire. On l'avait fait au match aller et ça s'était, ça avait été très bien accueilli. Voilà, messieurs. Merci Thomas, merci Joe, merci Sam, merci Gino. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se quitte avec le générique des sociaux. Et on se dit à bientôt. Et juste, allez, les boxeurs quand même sont en train de jouer à 0-0 au premier tiers-temps. Donc, c'est la finale. Yes. Allez, allez. Allez, bon courage. Bonne soirée. Salut. Ciao. Bonne soirée. Ciao, ciao.